Bienvenue à tous sur Regional Live. Je suis très heureux de vous recevoir pour ce premier webinaire de l'année. Et j'ai avec moi trois conférenciers exceptionnels pour un terme sur lequel ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à débattre. Je vous présente Sébastien Melloul. Sébastien Melloul. Je vous présente également Ahmed Rabier. Je vous présente Marc Baranès. Et puis, on va démarrer, écoutez, un petit peu par vous présenter un peu plus en détail. Sébastien, alors tu m'as fourni, écoute, un CV un peu compliqué. Le docteur Sébastien Melloul est diplômé de l'Université de Nice. Il poursuit ses études par un diplôme universitaire d'esthétique orale. Tu es surtout, quelqu'un de très apprécié en paro et en implanto. On suit beaucoup tes publications et tes formations dont tu nous délectes sur tous les groupes Facebook. Et puis, tu es aussi président d'un chapitre de la SFPIO. Ahmed, qu'est-ce qu'on pourrait te dire, toi? Tu es praticien à Chartres. Tu as un CESU... comment? C'est ça, je suis à Chartres. Ouais, ça n'a pas changé. CESU d'occlusodontie à Marseille. Tu as aussi un DU d'occlusodontie fonctionnelle parce que... alors, faut bien vous présenter les choses. En fait, vous avez vraiment tous un profil très différent. En fait, on est tous des fous du numérique ici. Seb est quand même très paro-implanto. Marc est très chir-implanto. Et puis, toi, Ahmed, tu es surtout un prosto. Oui. C'est ça qu'il faut dire. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. Un DU clinique d'implantologie clinique chirurgicale et prothétique, une attestation universitaire d'implantologie, un CES de prothèse fixée. Qu'est-ce que tu as d'autre? Il a le bac, il a le bac aussi. J'ai le bac. Le bac c'est déjà pas mal. Et le brevet 50 mètres nage. Non, mais j'ai eu un parcours qui a d'abord commencé avec de l'implantologie, en effet, chirurgicale. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers la prosto. Et c'est aujourd'hui ce que mon cœur de métier, c'est la prosto. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis avec nous, on a aussi Marc Baranès, mon compagnon de route à l'Académie de chirurgie guidée, qui est donc chirurgien, spécialiste en chirurgie orale exclusif à Paris, Saint-Mandé plus exactement, également rédacteur en chef, co-rédacteur en chef de la revue Clinique, et puis quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Et puis vice-président de l'Académie de chirurgie guidée, quand même. Vice-président de l'Académie de chirurgie guidée, mais oui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment une journée, une soirée exceptionnelle, puisque on va vraiment discuter de trois concepts différents, mais pour un seul but, finalement, c'est comment mettre en charge immédiatement des implants, toujours avec un point commun, quand même, c'est le numérique, ici. Toujours un point commun, le numérique. Mais néanmoins, vous avez chacun quelque chose à dire parce que finalement, vous vous confrontez sur la façon dont il faut faire les choses. Alors, le temps que tout le monde s'assied et arrive, je voudrais un petit peu présenter également vos formations puisque Genol, c'est surtout de la formation. Tu as une société de formation continue qui s'appelle Digidant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus hein? Alors ouais, on a Digidant, ça a été créé il y a 2 ans maintenant. Au départ, c'était que pour de la chirurgie guidée. On a une formation exclusivement de chirurgie guidée et on a maintenant développé un petit peu plus le monde du numérique, pas simplement la chirurgie guidée, mais ça reste très très centré chirurgie guidée. On a 3 séminaires par an. Volontairement, on restreint le nombre de personnes parce que notre but, c'est vraiment de proposer d'abord un accompagnement et surtout une formation très pratique, vraiment l'utilisation de la planification des outils numériques, qu'on puisse s'entraîner, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et voilà, et on s'éclate à faire ça. Maintenant, on commence à le faire dans d'autres villes en France, donc c'est parfait. C'est des groupes de combien? 10-12 personnes maximum. 10-12 personnes maximum, oui. Donc tu fais une formation, formation à Nice chez toi, sur la chirurgie guidée. J'ai vu que tu as une formation chez nos amis de chez For Your Smile, For Your Graft. Alors c'est un petit peu différent. For Your Graft, c'est nouveau, c'est cette année. Là, c'est exclusivement sur extraction implantation immédiate. Ouais. Où là, on va mixer en fait le numérique et le traditionnel. C'est 2 jours. Première journée dédiée exclusivement à la main levée, c'est-à-dire tous les concepts vraiment principes de l'extraction implantation immédiate.
les TP qui vont avec. Le lendemain, on refait en fait la même chose, mais cette fois en chirurgie guidée, pour appréhender en fait les différences, les avantages, les inconvénients de chaque méthode. Donc c'est vraiment, là c'est ouvert à tout le monde, c'est pas simplement pour les geeks ou ceux qui voudraient apprendre à utiliser des guides. Là c'est vraiment pour apprendre l'extraction implantation médiate sous toutes ses facettes. Génial. Oui, je vois un joli SSA là, de Gary Finel là, sur la photo. Ok, et Ahmed, Exactement. toi tu as une société également de formation qui s'appelle Digital Up Ça. que tu tiens Alors en avec fait, Fred. c'est une société de formation pour promouvoir le numérique en effet. Et il y a deux formations principales qui s'en démarquent. Une formation qui est plus axée sur la prothèse en fait, où avec mon prothésiste Adrien du laboratoire Marais de Zara, on va surtout parler du flux numérique et comment faire pour l'apprivoiser. C'est surtout de la prosto là pour le coup. En fait, on va avoir, c'est un format, en fait, on a fait 3 jours avec 2 jours pour les praticiens, 2 jours pour les prothésistes, avec une journée en commun au milieu pour que vraiment tout le monde évolue apprivoise ces nouveaux outils et sache les utiliser en retour au cabinet. Donc, pour les praticiens, on va parler de l'empreinte optique, on va parler de comment matcher les fichiers, comment exploiter au maximum le flux numérique. Et pour les prothésistes, on va leur apprendre également, surtout via Adrien, comment ils vont faire pour utiliser ces données et pour faire pour traiter les cas de leurs patients, de leurs praticiens. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un fossé qui se crée soit entre le praticien et le prothésiste, soit parce que le prothésiste est avancé en numérique, soit c'est plutôt le praticien, mais il faut arriver à satisfaire tout ce beau monde. Et la deuxième formation qu'on a, c'est plus une formation sur les guides chirurgicaux à étage dont je vais parler avec mon associé, le docteur Chamier, où on enseigne en tout cas comment faire ses propres guides à étage avec n'importe quel système et quels sont les tenants et aboutissants de ce genre de chirurgie. C'est les deux grosses formations qui se démarquent de ça. Peut-être d'autres choses se démarqueront, mais c'est vrai qu'après, il y a des communications par-ci, par-là, mais c'est les formations principales, c'est bien ces deux-ci. Ok. Marc, à l'Académie de chirurgie guidée, qu'est-ce que tu nous prépares de beau? On a déjà une super soirée, un afterwork qui va s'organiser à Paris sur la photogrammétrie. Est-ce que ce sera le jeudi 19 mai? Tu nous en parles un petit peu? Oui, bien sûr. En fait, l'idée de cette soirée, c'est petit comité et c'est surtout de pouvoir manipuler les outils de photogrammétrie, utiliser la caméra de photogrammétrie et comprendre, comment dire, l'univers informatique derrière, c'est-à-dire comment on gère l'empreinte optique, comment on l'intègre dans le logiciel de la photogrammétrie de l'ICAM. Et ensuite, comment on exporte ces fichiers et comment le prothésiste va pouvoir gérer ce type de fichier sur les logiciels de CFAO. Et en fait, l'idée, ce serait pour cette soirée, ça va être de réaliser une empreinte optique sur un modèle avec une empreinte optique traditionnelle et de réaliser une empreinte optique plus la photogrammétrie. Et on va designer 2 bridges provisoires. Issus de ces deux flux, empreinte numérique seule et empreinte numérique et photogrammétrie, qu'on imprimera directement le soir de cette soirée. Et puis on va pouvoir essayer et valider l'adaptation de bridge provisoire directement sur les modèles. Ça va nous permettre de bien avoir comment dire, la conscience et de bien comprendre les étapes de ce flux numérique qui peut être un petit peu opaque pour certains. Voilà. Ok, et puis je voudrais aussi rappeler que nous avons toujours une formation qui est toujours en ligne, enfin une journée d'information toujours en ligne qui s'appelle Holonix. Et Holonix, donc, qui était notre émission qu'on avait tournée sur Europe 1, qui est la réhabilitation fixe sur implant, une grosse, grosse, grosse journée. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est toujours en ligne, c'est toujours disponible, bien évidemment. Profitez-en parce que en fait l'idée de cette journée ça a été de regrouper véritablement les praticiens praticiennes qui sont à mon avis les plus expérimentés sur le traitement de l'édenté complet. On a différents horizons, on a des prothésistes aussi, on a des chirurgiens, on a des praticiens prothésistes qui ont assisté à cette émission. L'idée, c'était de faire le point sur les principaux concepts
de réhabilitation fixe chez les dentés complets, que ce soit de la planification, de la chirurgie, de la prothèse, mais aussi de la maintenance et comment on va gérer en maintenance ces patients-là. Et on a en fait des présentations qui sont assez courtes, un format court, et ensuite un débat. Et cette partie débat a été assez intéressante à suivre sur Eugénol, sur le site Eugénol en replay, le débat d'idées avec la confrontation de différentes écoles. Donc c'était plutôt intéressant, tous les thèmes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et c'est toujours assez sympa d'avoir une petite comment dire, une petite discussion. Et on le sait très bien en dentisterie, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y a Oui, parce plusieurs méthodes pour arriver au y a même aucun résultat. Et consensus, donc c'était assez y a très peu intéressant. de consensus finalement, justement, sur ces réhabilitations complètes. Ouais. Ok, écoutez, je pense que là, on a suffisamment de monde qui nous attend pour démarrer. Merci Jérôme de m'avoir convié à cette soirée. C'est un réel plaisir d'être là avec Ahmed et avec Marc. C'est génial. Vraiment, merci beaucoup. Donc, le thème de ce soir, la mise en charge immédiate. Innovation, ça, je vous laisserai en juger à la fin. On proposera quelque chose, mais je trouvais ça assez sympa de proposer. Pour ça, on va faire un petit voyage. Je vous emmène avec Hervé. Ah, il manque les polices. Voilà. Donc je vous emmène avec Hervé qui va nous faire voyager à travers ce monde du numérique et à travers ce que le digital workflow peut représenter. Donc aujourd'hui, quand on parle de digital workflow, ça représente pas mal de choses. On entend un petit peu tout, pas forcément n'importe quoi, mais beaucoup de choses. Voilà pour moi ce que ça représente. Déjà, c'est l'acquisition de données. Dans un premier temps, réalisation d'un bilan photographique, réalisation d'empreintes optiques. Ces deux choses, chez moi, sont systématiques. Tout patient qui arrive au cabinet. Bilan photo, enfin empreinte tridimensionnelle. On va y adjoindre, si nécessaire, un bilan radiographique tridimensionnel. On pourrait aussi ajouter un scan facial, ça j'en reparlerai quelques secondes un petit peu plus loin. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'utilise plus parce que ça ne m'apporte pas grand-chose. Et on pourrait y rajouter aussi un enregistrement audio. Avoir ces données, c'est bien beau, mais maintenant il faut en faire quelque chose. Là aussi, le monde du numérique nous a ouvert des possibilités sans limite quasiment. Donc on peut faire des workshops, on peut designer des guides, on peut préparer des projets implantaires, on peut vraiment faire pas mal de choses. Le numérique, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi passer dans le physique. Donc c'est là où la fabrication d'éléments, pour moi, est fondamentale. Au cabinet, on utilise essentiellement l'impression 3D. Alors on pourrait aussi y mettre ici l'usinage, mais ce n'est pas deux techniques qui vont être en opposition, elles sont complémentaires. Pour moi, l'impression 3D a été une réelle révolution. Un petit peu difficile au début, j'admets, mais maintenant c'est vraiment c'est un plaisir tous les jours et j'ai l'intime conviction que dans quelques années, c'est quelque chose qui sera implanté dans tous les cabinets. Et enfin, faut pas oublier qu'on est là quand même pour soigner des patients. Et là aussi, le numérique est d'une aide incontournable, grâce, en l'occurrence ici, le thème qui nous importe, la chirurgie guidée. Et pour la mise en charge immédiate, à nouveau, le numérique est fondamental puisque personnellement, je fais des empreintes systématiquement à la fin de chaque chirurgie. Voyons ça un petit peu plus en détail. Donc Hervé, c'est une amie qui nous l'adresse. À la base, quand elle m'appelle, elle me dit voilà, je voudrais mettre en place une réhabilitation complète haut et bas. Je voudrais des implants partout en haut et en bas. Regarde ce que tu peux faire. Bon, on reçoit Hervé, on commence à discuter un petit peu avec lui. Effectivement, il a eu une parodontite stade 4 grade B qui a été traitée, enfin traitée. Qui est traité depuis des années. Au niveau du maxillaire, c'est plutôt stable. Donc, on est sur un parodonte réduit sain avec antécédent de maladie parodontale. Par contre, à la mandibule, c'est carnage. Ça bouge dans tous les sens, à part les prémolaires, enfin, trois prémolaires plus ou moins. Tout le reste, c'est purulent, secteur postérieur au niveau du secteur 3. 45-46 sont déjà des implants. Et le patient, aujourd'hui, il en a marre. C'est-à-dire qu'il ne veut pas rentrer dans un traitement long. L'orthodontie, c'était inenvisageable pour lui, l'amovible inenvisageable aussi, et il voudrait juste pouvoir manger correctement, il en a marre, et il voudrait aussi pouvoir sourire. Ok, donc on continue en fait dans notre monde numérique, il a eu les photos, il a droit à ses empreintes, et là on fait un cone beam parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de ces images-là. À ce stade-là, maintenant on rajoute systématiquement un enregistrement Mojo. L'idée ici c'est que sur mes empreintes, lorsqu'elles sont réalisées, elles sont statiques. Ce que je veux, c'est aussi avoir la dynamique du patient. Je veux pouvoir enregistrer comment la bouche fonctionne initialement,
Et ces données vont nous permettre de pouvoir être beaucoup plus prédictifs sur le résultat que l'on va pouvoir obtenir. Petit aparté sur l'ensemble de ces données qu'on recueille, on a tendance à penser que le numérique va beaucoup nous simplifier les choses. C'est vrai, une condition, c'est d'avoir de la rigueur depuis la première consultation jusqu'à, ici c'est le Mojo, jusqu'au Mojo, mais que ce soit l'empreinte, que ce soit le Cone Beam, que ce soit le Mojo, tout doit être fait avec rigueur. Si vous commencez à avoir des empreintes de mauvaise qualité, c'est comme avec du silicone, vous allez prendre un mur, vous allez remettre la cause sur la caméra, alors que c'est peut-être pas la caméra la plus fautive. Une fois qu'on a ces données, là on peut commencer à discuter avec notre patient. Le premier truc qu'on fait, ça va être un DSD, donc un Digital Smile Design. L'idée est de positionner en fait des formes de dents et des tailles de dents idéales par rapport au sourire, par rapport au visage de notre patient. Et déjà là, on peut commencer à rentrer dans la communication. Il va nous indiquer quelles formes lui conviennent le plus. Ici, en l'occurrence, celui qui préférait, c'était ce qui est le plus à droite pour vous. On pourrait en présenter 5, on pourrait en présenter autant qu'on veut. Là, il n'y a pas de limite puisque c'est nous qui le faisons. Là aussi, on a utilisé pas mal de logiciels différents. Aujourd'hui, on utilise celui de chez Trichet parce que c'est facile, c'est dans notre flux au cabinet. Et c'est bien. En présenter trop aux patients, ça ne sert à rien parce qu'à un moment, ils ne voient plus la différence. Et là aussi, les choses ont pas mal évolué parce que ça, c'est un wax-up, enfin, un pseudo-wax-up, puisque c'est moi qui l'ai fait. Il est complètement faux. C'est-à-dire faux dans le sens où il n'est absolument pas fonctionnel. C'est-à-dire la seule chose qui est juste ici, c'est la position des bords libres, la position des milieux. En fait, la seule chose que je veux ici, c'est que le patient se projette. Je veux qu'il puisse se dire, OK, voilà ce que je vais pouvoir obtenir. Si à ce stade, ils me disent c'est bon, ça m'intéresse, on continue à proposer et à pousser le projet. Si à ce stade, ils me disent non, ça, bon, au moins on n'a pas trop engagé de temps, et lui déjà, il se projette, il peut voir ce qu'il va pouvoir obtenir. À ce stade, je ne lui ai toujours pas proposé de plan de traitement. C'est-à-dire, je suis vraiment dans l'analyse et le numérique prend en fait, m'aide vraiment à chaque étape de cette analyse. Maintenant, les fichiers vont pouvoir partir donc chez l'artiste, qui est Vivien en l'occurrence pour nous. Travaille au laboratoire Brocos, il va récupérer le DSD, il va récupérer les empreintes, il va récupérer le pseudo box-up que j'ai fait, et surtout il va travailler avec les photos et l'image tridimensionnelle, donc il va superposer 2D, 3D, et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir au niveau du visage de notre patient comment on va s'intégrer notre future exploration. C'est pour ça qu'on n'utilise plus le scan facial, parce que ça a été très fastidieux à repositionner, ça ne nous apportait pas spécialement d'éléments supplémentaires. Je serais certainement amené à changer d'avis sur ça, mais aujourd'hui, c'est une solution qui nous satisfait grandement. Et là, l'artiste commence à rentrer vraiment en piste. Il va modifier la position de la mandibule par rapport aux analyses qu'on a faites précédemment. Il va positionner ses coupoles. En fait, ce qu'on aime faire à ce stade, c'est dire, OK, imaginons que le patient soit complètement édenté et qu'il fallait lui faire deux prothèses complètes. Et construire ce projet autour de ça. Donc, grâce à ces coupoles, et là, j'en profite en même temps de remercier mon ami et mentor Mathieu Collin qui m'a initié à ce système de coupole, qui à la base, on faisait ça en physique, maintenant on est passé ça en lumière grâce à Vivien qui nous a modélisé tout ça. Et il va nous monter les dents. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que je vais commencer réellement à réfléchir à comment je vais pouvoir intégrer ça dans un projet prothétique. Là aussi, le numérique simplifie grandement les choses. Il n'y a pas de coursier, il n'y a pas de modèle. Tout est envoyé par Internet. Un simple navigateur Internet nous permet de vérifier en fait les images modifiées par Vivien. Et là où c'est extrêmement intéressant, c'est qu'il nous fournit aussi des films de la dynamique de la mandibule, les contacts, la forme des dents. Voilà, si on garde cette position de la mandibule, si on garde cette forme de dents, voilà les contacts que l'on va pouvoir obtenir. C'est extrêmement fiable, c'est extrêmement précis. Bon. C'est bien, mais il y a un moment, il va quand même falloir penser à proposer un plan de traitement à notre patient. Donc là aussi, beaucoup plus confortable d'utiliser des modèles que d'utiliser des modèles numériques que des modèles en plâtre. Pourquoi? Si on reprend la situation initiale, on va superposer la situation que l'on veut obtenir et par transparence, on regarde. Donc on se rappelle qu'on a des dents qui ont un bon pronostic en maxillaire, même si le patient nous a demandé de les enlever, on s'aperçoit que les intégrer dans un projet prothétique de prothèse fixe traditionnelle, en tout cas pour le secteur de prémolaire à prémolaire, ça passe. Donc je ne vois pas en fait ici pourquoi je vais aller enlever ces dents-là. On propose simplement de poser deux implants dans les secteurs postérieurs. Par contre, à la mandibule, là c'est une toute autre histoire. Parce que si je superpose le projet, alors là c'est une grosse catastrophe. Parce que des dents, il y en a un petit peu partout, mais pas où il faut. Faut oublier en plus qu'on a déjà des implants en secteur 4, on a des dents qui sont fortement ingraissées dans le secteur 3. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Ici, effectivement, je vais plutôt proposer à votre patient une solution implantoportée sur quatre
enfin sur 6 implants. La question c'est, j'ai déjà des implants en bouche, est-ce que je vais pouvoir les intégrer à ce projet ou il va falloir les déposer et en poser des nouveaux? Là aussi, l'apport du numérique va pouvoir répondre à cette question rapidement. Ok, maintenant on a décidé qu'on allait poser des implants. Là aussi, on va pouvoir planifier ça numériquement. Il va falloir récupérer son dossier, son image d'ICOM, on récupère ses STL et on superpose toutes ces images. On fait ce qu'on appelle un matching. Là aussi, étape extrêmement importante. C'est-à-dire que vérifiez sur toutes les coupes que l'image, donc ici pour vous, le petit liseré violet, se superpose extrêmement précisément par rapport à la situation initiale, par rapport au fichier d'ICOM, pardon. Ici, on a de la chance, on a très peu d'artefacts métalliques, donc c'est relativement simple. S'il y en avait beaucoup, il aurait fallu adapter la méthode. Petite astuce, pensez à utiliser par exemple des écarteurs photo lorsque vous réalisez vos cone beam. Ça va éloigner les tissus mous et ça permettra de pouvoir superposer les images beaucoup plus facilement parce qu'on aura une meilleure définition même des tissus mous. Une fois que ça c'est fait, on continue à jouer avec la souris. Jusque-là, c'est extrêmement simple. On regarde simplement où est l'os. Et un petit peu le projet prothétique. En réalité, c'est purement le projet prothétique qui me permet de poser les implants sur cet écran-là. C'est-à-dire qu'en fait, je veux juste qu'il y ait un peu d'os. C'est un petit peu mieux pour les implants. Il paraît que ça tient mieux dans l'os. Mais par contre, savoir où étaient les dents et où sont les dents actuellement, ça m'est complètement égal. Je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est que le projet prothétique guide complètement la pose de mes implants. Et là, on est rassuré parce que si je superpose mes deux implants en 45 et 46, juste pour voir les émergences, c'est pas parfait, mais en tout cas, ça rentre dans le projet prothétique. Était établi par Vivien précédemment. Donc là, on dit, OK, je ne vais pas être obligé de déposer mes implants, je vais en poser que 4 en antérieur, enfin en antérieur, 4 de 42 à 36, et on va pouvoir réaliser une mise en charge immédiate une fois que les courants dans le secteur 4 ont été déposés. Mais maintenant, commence un petit peu les problèmes. C'est là où la réflexion a continué, et c'est grâce à ce patient, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous présenter Hervé ce soir, c'est parce que Hervé représente réellement une première fois. C'est-à-dire qu'on avait un protocole jusqu'à présent, et quand j'ai vu cette image-là, où j'ai vu la position des implants par rapport aux dents, je me suis dit, ça va être quand même sacrément galère. Alors, j'utilisais déjà la chaire guidée, donc je me suis dit, comment faire pour obtenir cette position implantaire précise? Ok, on va utiliser des guides, mais si je me projette là-dessus, si je vois les dents telles qu'elles sont maintenant et telles que je veux obtenir la situation que je veux vouloir obtenir, pardon, ça va être compliqué. Une fois que je vais avoir enlevé toutes les dents, il va falloir que je reprenne une empreinte. Et si je reprends une empreinte dans ces conditions, avec une empreinte numérique, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc, ok, on a dit qu'on veut utiliser de la chirurgie guidée. Moi, je pensais, parce qu'on entend ça beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que c'était un truc super récent. Enfin, en tout cas, depuis quelques années. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une émission, ou une interview en tout cas de Jérôme, qui raconte commencer à s'intéresser à la chirurgie guidée en 2008. Petit problème, c'était j'étais même pas diplômé à ce moment-là. Donc c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Et en réalité, c'est absolument pas quelque chose de. Aussi, on a tendance des fois, quand on en utilise beaucoup, à passer pour des bêta-testeurs sur nos patients. Ça aussi, c'est extrêmement faux. Il y a une multitude d'études scientifiques qui sont parues. Alors j'ai très 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 envie. À la base, je voulais parler sur chaque papier là que je ramène, mais si je le fais, je pense qu'on peut être là encore jusqu'à demain matin. Mais globalement, chaque détail, chaque protocole en chirurgie guidée a été détaillé dans la littérature. Que ce soit le modèle des trousses de chirurgie guidée, est-ce qu'il faut utiliser des clavettes, est-ce qu'il faut utiliser des douilles, est-ce qu'il faut pas des cuillères, est-ce qu'il faut pas en utiliser, qu'est-ce qui est mieux, un appui osseux, un appui muque, un appui dentaire, la navigation, pas de navigation, enfin. L'ensemble de ces process-là, c'est pas des formules simplement commerciales. Il y a réellement un appui scientifique là-dessus. Pour ce qui est de la mise en charge immédiate, là aussi, la littérature est claire. Aujourd'hui, on a des taux de survie qui sont comparables à ceux de l'implantation traditionnelle. Donc là, je vois tout de suite Ahmed, il a vu le cas, et je le vois en train de faire des bonds sur son siège, en train de se dire, bah, c'est pas compliqué, je vais faire un guide à étage ici. Oui, on a fait des guides à étage. Mais je vais t'expliquer pourquoi je ne veux plus en faire. Donc, on a fait des guides à étage ici. On était content de faire de son guide à étage. On avait son capot, on avait son guide qu'on vient clipser par-dessus. On pouvait poser les implants, on avait le proviseur qui était prêt. On était super content. Sur la photo, c'est bien là. Donc, si on compare maintenant la situation initiale et on post-op, honnêtement, je suis déçu.
D'abord, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de faire de la paro et de l'implanto. Tout simplement parce que le composite, j'y arrive pas. Si moi passer une heure à recréer un profil d'émergence au composite, honnêtement, j'ai pas la patience pour ça, j'ai pas l'envie, et ça me gonfle. Clairement, ça me gonfle. Faut pas oublier que là, le patient, il est arrivé le matin, on lui a enlevé les dents, donc déjà moralement pour lui c'est compliqué. Je vais le laisser en fait pendant une petite demi-heure ou peut-être plus pour aller recréer le profil en composite. Pour aller recréer, enfin, honnêtement, je ne sais pas le faire. Donc, dans ma main, ça ne fonctionne pas. Ce qui nous a obligés pour ce cas-là, à refaire une empreinte et à refaire faire un provisoire, parce que je ne voulais pas laisser aller repartir chez mon correspondant avec un provisoire comme celui-là. Donc là, la situation commence à être intéressante. Mais au final, je me retrouve dans une situation où je dois refaire une empreinte et je refais de façon mon provisoire. Donc, je me suis dit, OK, là, c'est, en tout cas, pour moi, ce n'est pas la solution. Donc, on a dit, on va modifier le protocole. On va quand même faire des guides à étage. Simplement, on ne va pas faire le provisoire. On refait quand même une empreinte post-opératoire. Et là, c'est franchement plus sympa. Parce qu'on a l'avantage que le prothésiste me design exactement le projet que j'ai envie. Il me renvoie ça, on l'imprime. Le soir même, on le met dans la bouche du patient. 6 mois plus tard, le résultat est extrêmement satisfaisant. Et là, la prothèse définitive en place. On a la chance, notre correspondant nous a renvoyé le patient juste pour qu'on puisse faire la photo. Je trouve ça assez sympa. Mais pareil, si je me projette dans le cas d'Hervé, qu'est-ce qui va se passer? Là, on était au maxillaire, c'était assez simple de faire ça. Retrouver l'occlusion, c'était assez simple. Honnêtement, aujourd'hui, on a des protocoles assez clairs pour ça. Maintenant, si je suis à la mandibule, les empreintes, les caméras d'empreintes optiques, elles ne peuvent enregistrer que ce qu'elles voient. Elles n'aiment pas le sang, elles n'aiment pas la salive, elles n'aiment pas les mouvements, elles n'aiment pas la langue. Enfin, en gros, elle n'aime pas tout ce qui se passe dans une bouche en mise en charge immédiate. Donc, je sais que si à la mandibule, je vais me retrouver dans une situation franchement délicate. Et j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose qui jouait et j'arrivais pas à mettre les. Je sais pas, je sentais qu'il y avait un chaînon manquant, on va dire. Donc, si je reprends notre cas, donc, je savais aussi que si je touchais au maxillaire, il fallait que je fasse la mandibule. Si je voulais faire la mandibule, il fallait que je touche au maxillaire. Le maxillaire, c'est simple. Si je décide de garder les dents de prémolaire à prémolaire, je n'ai qu'à faire les préparations et on a le provisoire qui va se replaquer sur le palais. Et là, je commence à designer mes guides. Donc, premier guide, il me sert simplement à positionner les clavettes, donc les appuis osseux que vous voyez en bas de l'image. Pourquoi je fais un guide que pour ça? Parce qu'il faut oublier que j'ai des dents qui sont mobiles. Je n'ai pas vraiment une stabilité qui est, enfin, ces dents qui est phénoménale. J'avais peur que si je commence à enlever des dents, je me retrouve dans une position où le guide ne sera pas parfaitement positionné par rapport à ma planification. Donc, j'utilise en fait le grand nombre de dents pour pouvoir simplement poser mes clavettes. Je design un second guide où là, de manière assez stratégique, je décide de certaines dents à enlever puisque je sais parfaitement où vont être les implants et je ne positionne que 2 implants, toujours positionnés sur les mêmes clavettes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas changé, c'est les mêmes. C'est simplement qu'on a enlevé des dents sur un modèle numérique et on a créé un deuxième guide. Et comme on aime beaucoup les guides, et quand on aime, on compte pas, on s'est même dit on va faire un troisième guide pour venir poser encore les 2 derniers implants. Et comme on est un petit peu frustré, c'était un cas, vous allez voir, on a testé quelque chose, on a gardé la 37 pour stabiliser le guide. Et là, si je regarde les 3 guides en fait qu'on a fait, du moins les 3 situations, il y a une petite, voilà, on s'aperçoit qu'il y a un point commun entre ces 3 situations, c'est les petits tubes orange que vous voyez qui correspondent aux tubes dans lesquels vont s'insérer la douille métallique pour mettre les clavettes d'ancrage osseuse. Et elles sont constantes. Et je ne sais pas, en voyant ça, je me suis dit, et si je les utilisais pour mon empreinte? Puisqu'elles sont constantes, c'est facile de faire quelque chose qui va venir se mettre dedans et qui va aider ma caméra à refaire mon empreinte. Et donc là, je reprends la situation initiale, j'isole les dents et je découpe les dents en fonction de la position de mes futurs implants. Puisqu'en plus, j'utilise 3 guides pour essayer de garder une certaine précision, du moins fiabilité. Je sais que les implants vont être à peu de choses près, parce qu'on sait qu'il y a toujours des déviations, mais ils vont être dans cette position-là. Donc si je laisse ces espaces entre les dents, je vais pouvoir positionner mes scan body. Et puisque j'ai mes clavettes et que je peux isoler aussi les douilles des clavettes, ben, j'ai qu'à solidariser tout ça ensemble. Et ça me donne un truc qu'on a joliment appelé un net prothétique pour empreinte. Et là, on s'est dit, si ça fonctionne, je vais pouvoir superposer en une seule empreinte la situation initiale à mon empreinte. Et si je peux superposer la situation initiale à mon empreinte, je peux retrouver l'occlusion aussi, puisqu'elle a été enregistrée en amont, et je peux retrouver mon projet prothétique. Et donc, je vais pouvoir designer, du moins faire designer, parce que je suis incapable de le faire,
le proviseur parvivien, à partir d'une seule empreinte mandibulaire pour une mise en charge immédiate. Et si on regarde, et, bon, et on va voir ce qui se passe, on va pas tout dévoiler d'un coup. Donc, au cabinet, on imprime tout directement. Ça aussi, je vous dis, pour moi, l'impression 3D, ça a été une réelle révolution. Depuis qu'on a ça, je ne pourrais absolument plus m'en passer. On a commencé par une forme 2, on a pris une forme 3 et on a pris une Nexdent. Et aujourd'hui, elle tourne tout. Donc, une fois que les guides ont été imprimés, donc on a imprimé les guides en résine de guide, l'APE en PMMA, et on va mettre tout ça en bouche. Premier guide, juste pour positionner mes clavettes. Deuxième guide, je le positionne grâce aux clavettes et aux dents, et ça me permet de poser deux implants. J'enlève ce guide-là, j'enlève les dents restantes, et je positionne mon troisième guide qui va s'appuyer sur les dents qui restent, sur les clavettes, sur les implants déjà en place. Donc autant dire que là, pour l'enlever, il faut un pied de biche. Et on met les deux implants supplémentaires. En fait, pourquoi est-ce que je prends autant de temps pour repositionner le guide? C'est simplement que j'ai peur qu'il bouge. Parce que s'il bouge, je savais que là, l'APE qui a été fait, il ne rentrerait plus. Donc je voulais absolument pas qu'il y ait de déviation. Et voilà ce que ça donne. Donc les scan body sont en place. En réalité, ici, dans l'ordre, on a d'abord mis les scan body. Parce qu'en fait, le fait, c'est rainure, on va dire. Les scan body m'ont permis de repositionner en fait cet APE. Parce que quand on n'a plus rien, retrouver des fois le trou des clavettes, ça peut être légèrement compliqué. Enfin, compliqué, ça peut être des fois un petit peu embêtant. Mais dès qu'il y en a une qui a été retrouvée, tout se repositionne très facilement. Donc c'est pour ça que je mets d'abord les scan body. Ensuite, je mets l'APE à travers les scan body puisque ça me guide en fait dans sa positionnement. Et si on regarde cette photo avec la situation initiale, on arrive très facilement à isoler des zones remarquables. C'est-à-dire qu'on a des pointes canines, on a des pointes cuspidiennes qui sont très facilement identifiables sur l'image en tout cas. Et que si l'empreinte est bonne, et ben dans ce cas-là, le Vivien sur Exocad va pouvoir retrouver ses points et donc matcher toutes les images. Et il n'aura pas besoin d'avoir ni l'arcade antagoniste sur mon empreinte, ni l'occlusion. Résultat de l'empreinte. Donc là, on l'a fait avec. Celle-là, la première avait été faite avec Itero. Et vous voyez que on ne fait qu'une seule empreinte mandibulaire. En réalité, vous voyez que je vous mens légèrement. J'ai refait une autre empreinte mandibulaire, mais il n'y a pas d'empreinte de l'antagoniste, il n'y a pas d'empreinte de l'occlusion. On a une seule empreinte. Et si je compare à la situation initiale, j'arrive très facilement à voir ces points de repère. Donc quand je vois ça, avant de l'envoyer à Vivien, je suis déjà un petit peu soulagé. Autant vous dire que là, c'était le premier. En réalité, j'avais pris aucune mesure de précaution. Ça veut dire que je me suis jeté dedans en disant, je suis sûr que ça va fonctionner. On n'avait pas pris de filet de sécurité. Si ça ne fonctionnait pas, il fallait que je fasse revenir le patient pour faire une empreinte. Empreinte physique cette fois. Mais comme c'est le premier aussi, on s'est dit on va quand même garder une molaire juste pour notre empreinte et ça nous a permis de superposer. Et si je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai un petit peu, je fais une seconde empreinte en réalité, on a modifié le protocole entre-temps, mais à cette époque-là, je faisais qu'une empreinte de la mandibule aussi, juste des tissus mous pour qu'il puisse le superposer, qu'il ait même si c'est pas super super utile, qu'il ait une vision de ce qui se passe en dessous. Et voilà en post-op ce que ça donne. Enfin, en post-op. Soir, on revoit le patient, on met en place le provisoire. On avait déjà mis le provisoire le matin du maxillaire. Alors oui, au maxillaire, c'est pas parfait au niveau de l'adaptation. Forcément, c'était un provisoire coquille. On avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, la situation à ce stade est satisfaisante. 15 jours plus tard, ça évolue pas trop mal. Et surtout, surtout, ce qui me rassure, c'est que le patient est super content. Ça veut dire que là, au niveau du sourire, c'est ce qu'il voulait. Donc, il est content. Au niveau de la fonction, c'est pas encore ça parce qu'on lui demande pour le moment d'avoir une alimentation molle forcément, mais il se sent beaucoup mieux. Donc là, on est content. Contrôle radiographique nous permet de voir que les implants sont bien positionnés, enfin, en tout cas qu'il n'y a pas eu de problème là-dessus. Je n'ai pas envie de passer beaucoup de temps sur ça, mais voilà le résultat en fait à 6 mois. Donc là, les tissus ont évolué, c'est plutôt favorable. On a refait honnêtement un proviseur maxillaire, on a repris une empreinte, on en a refait un pour que ce soit un petit peu plus adapté. On a modifié certainement 2, 3 petits détails de forme par rapport coller un petit peu plus aux attentes du patient. Mais en attendant, à 6 mois, il arrive à manger correctement et il est complètement satisfait. Et c'est pour ça que je suis super, super, super exigeant maintenant au niveau de l'occlusion et que j'ai vraiment envie de beaucoup plus pousser ce détail-là. C'est que depuis que nous avons intégré une analyse occlusale beaucoup plus poussée, nous n'avons plus ou quasiment plus de cases de nos provisoires. Pourtant, nos provisoires ne sont pas armés, intégralement en PMMA et surtout sans ambastitane non plus. Et là, voilà, il est là, il y a 6 mois, il ne s'est pas cassé. C'est pas le seul, parce qu'en fait, je vous vois aussi arriver derrière l'écran, vous dire c'est bien, il a présenté un cas,
Mais est-ce que c'est reproductible? En réalité, depuis, on a fait plusieurs cas sur ce système-là. On l'a fait avec différents logiciels de planification, avec différentes caméras, avec différentes marques d'implants. On l'a fait en appui osseux, enfin, des chirurgies à appui osseuse, des chirurgies à appui muqueuse. On l'a fait pour des 4, 6, 8 implants. Enfin, on l'a essayé dans à peu près toutes les situations. Il n'y a pas encore eu de cas où ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des cas qui étaient un peu plus complexes que d'autres, mais en tout cas, à chaque fois, on a réussi avec une seule empreinte à mettre en charge immédiatement. À la base, je l'avais même envie d'appeler ça un protocole de mise en charge en empreinte unique, mais en réalité, je ne fais pas une seule empreinte, j'en fais deux à chaque fois. Je fais avec l'APE et sans l'APE. Mais par contre, il n'y a jamais d'empreinte de l'arcade antagoniste puisque tout a été enregistré en amont. Et je profite aussi de cette occasion pour remercier l'intégralité de l'équipe du cabinet parce que je pense que je les gave profondément avec toutes mes histoires de guide et de numérique et de tout ce qui tourne autour de ça parce que c'est la course en permanence au cabinet et sans en fait leur assistance, leur volontariat même, j'ai envie de dire, et Patience. leur investissement au cabinet, ça serait impossible de faire ça. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Seb, merci, merci. Alors écoute, petite introduction et puis ensuite on va quand même passer, on va quand même passer aux questions. Et t'as des questions qui arrivent, Jérôme, ou Bah ouais, pas? j'ai des questions. Écoute, on a sur Facebook Alors, déjà plusieurs personnes parce que avant de passer à la présentation de Ahmed, on a des questions donc sur Facebook déjà en premier. Alors déjà, au tout début, on te demande comment est matché le projet prothétique sur le STL du patient. Ok, super question. En réalité, c'est extrêmement simple. C'est que le projet prothétique et le STL du patient sont faits sur la même base, c'est-à-dire que c'est la même muqueuse. Donc en fait, il est matché sur la muqueuse tout simplement. Si jamais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a certains cas de figure où ça pourrait être issu de deux empreintes complètement différentes, où on modifie profondément la muqueuse, dans ce cas-là, je demande au prothésiste de rajouter des scan body virtuels. En fait, ce sont des points de repère qui ne bougeront jamais entre les différentes empreintes et ça me permettra de les superposer. Mais dans la majeure partie des cas maintenant, on gardera toujours des. En fait, la muqueuse relativement identique, on ne la modifie pas pour qu'on se superpose sur la muqueuse. Oui, parce que c'est quand même pas facile à la mandibule. Autant maxillaire, il y a le palais, tu as les tuberosités, mais comment tu fais derrière? Attends, j'ai peut-être pas compris la question. Tu parles le matching entre le DICOM et le STL ou entre les STL? Non, entre les STL. Non, entre les STL. En fait, oui, alors, même à la mandibule, en fait, sur une empreinte qui est déjà faite, on s'en fout parce que la muqueuse ne bougera plus. Donc, même s'il n'y en a pas énormément, on arrive à superposer sur de la muqueuse, ça ne bouge pas. Le problème, c'est entre. Je pensais que c'est pour ça que tu dis ça, entre DICOM et STL, oui. D'accord. Une autre question qui est posée, c'est comment sont calculées les courbures des coupoles de montage? Alors, il y a différentes tailles de coupoles qui ont été. Alors, je ne sais pas s'il les a designées ou s'il les a scannées, qu'il les a refait. Enfin, en tout cas, ces coupoles, elles existent en physique. Hein, elles n'ont pas été inventées. Elles ont différentes tailles qu'on adapte en fonction de la taille de l'arcade du patient. Et quand Vivien les a redesignées pour les intégrer en numérique, il a simplement repris les tailles existantes en physique et il les a adaptées en numérique. Donc, il y a plusieurs tailles. Je ne connais pas les tailles, très honnêtement, mais je sais qu'il y a plusieurs tailles. Ok. Ensuite, dernière question, avant de passer à la suite, il y a mon cher Bertrand Hervé qui pose la question. En PMMA, est-ce que tu fais en imprimé? Est-ce que tu es en usiné? Alors, exclusivement imprimé, jamais de. Enfin, j'ai pas d'usineuse, malheureusement, ou peut-être pas encore plutôt. Donc, c'est exclusivement imprimé. On a eu de gros déboires au début. L'impression, c'est fantastique, mais voilà, c'est comme tout, il y a une courbe d'apprentissage et il y a des impressions qui foirent. Au début, on avait de la casse et on a modifié en fait nos formes aussi de design pour ne plus que ça casse. On a élargi certaines zones, on sait où est-ce qu'on peut Oui, parce qu'il y a amoindrir aussi d'autres y a zones. aussi un problème, c'est qu'avec avec des bridges imprimés, quand tu vas commencer à visser, bah, tu risques de casser en fait finalement la connectique, surtout si tu n'utilises pas de petite base. Ouais, ça m'est déjà, enfin, ça m'est souvent arrivé, ça m'arrive moins. Maintenant, je commence à savoir un petit peu jusqu'où je peux aller. Mais
façon, Alors, je ne sais pas si c'est propre. tu vis au doigt. Là, il Vas-y. y a Bertrand justement qui dit que lui, il vient de poser son premier provisoire imprimé avec une résine Flexcera. Et surtout, il utilise des vis Rosen, des Rosen screws. Donc, c'est les vis Rosen, c'est les vis qui sont un petit peu en tulipe et Oui, c'est ça. qui permettent d'être vissés tant sur les provisoires que sur du définitif uniquement à la main. Alors, je pense que cette problématique de casse et de vis est extrêmement dépendante du système que tu vas utiliser. Par exemple, les vis Rosen actuellement ne sont utilisables que sur des vis de 1,6 mm de diamètre, donc des vis légèrement plus larges que celles que moi j'utilise chez Miss. Elles sont 1,4, donc les Rosen Ouais. n'existent pas encore. Je crois qu'ils vont les sortir. Bientôt, ouais, il a dit qu'il les Donc, on sortirait, a. ouais. Comment? Il a dit qu'il les sortirait cette année. Il a dit cette année, elles doivent sortir. Mais en tout cas, en tout cas, sur le système utilisé, enfin là en l'occurrence, en plus, le cas montré, ce n'était pas du MIS, c'était de l'ETK parce qu'il y avait déjà des implants. Donc j'ai repris la même marque qui avait déjà été utilisée. Mais chez MIS, en tout cas, je ne sais pas si ça change énormément, mais le fait d'être en 1,4, déjà, on a légèrement plus d'épaisseur, on a peut-être un peu moins de casse. Ça peut jouer. Les Rosen, je n'ai pas essayé. Et je pense aussi que c'est très dépendant de la résine que l'on va utiliser et l'ensemble de la chaîne de l'impression 3D. Parce que l'impression 3D, ce n'est pas que la machine. C'est la machine, c'est la post-production, c'est-à-dire le nettoyage des modèles, la polymérisation. Il faut que le nettoyage soit fait avec un certain temps. Si on laisse trop longtemps, la résine se dénature. Si on laisse pas assez longtemps, c'est le bordel parce qu'il reste de la résine dans les fûts et les vis ne placent plus. Et c'est très dépendant aussi des temps de polymérisation. Pour être honnête, au tout début, j'avais les machines, j'étais content. Donc, la première fois que j'imprime un bridge provisoire, super. Sauf que moi, on m'avait dit que c'était 10 minutes de polymérisation pour les guides. Donc, j'ai repris 10 minutes pour mon provisoire. Simplement, pour les provisoires, c'est 60 minutes de polymérisation. Mais j'avais pas lu le manuel. Donc, j'ai mis 10 minutes et donc tout cassé. Et au début, j'ai dit, bah, ça marche pas. Et puis, hein, je sais pas comment un jour, je me suis mis à amuser à lire le manuel. J'ai vu que c'était un peu plus long. Enfin, tout ça, ce sont des petits détails qui ont fait qu'aujourd'hui, on a vraiment extrêmement peu de casse sur nos provisoires et ils sont tous faits sur ce principe-là. Ouais. Et puis quand même un gros avantage aussi, c'est que si t'as un problème, si t'as une casse, bah, t'as juste à Exactement. réimprimer. Exactement. Ça c'est quand même génial. Bon, il y a Ahmed qui s'impatiente là, qui trépigne, je Ah non, sens. pas du tout. C'est passionnant, non, mais c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que cette histoire de. Non, mais c'est intéressant parce que cette histoire de bridge imprimé, bridge usiné. C'est un truc que je suis en train d'investiguer en ce moment, donc j'écoute avec grande attention. Avec moi, les bridges imprimés, ça me fait un peu peur, mais a priori, c'est peut-être juste une question de maîtrise aussi. Mais voilà, Peut-être. c'était hyper intéressant. Bravo, Sébastien. Ok, Merci beaucoup. on passe au round 2. Donc moi, je vais vous parler, bah pareil, de mise en charge immédiate. C'est un peu le sujet de la soirée. Donc, bah, comme l'a dit un peu Sébastien, il a un peu teasé. Je vais parler pas mal de guides à l'étage. Mais avant tout, je vais d'abord vous parler un tout petit peu comme Sébastien, mais c'est très bien parce qu'il a très bien récapitulé tout ça, de flux numérique. En fait, ce qui fait que je pense tous ici, nous avons développé des nouveaux protocoles de mise en charge immédiate, c'est parce que nous avons adopté le flux numérique. Et là, Sébastien l'a très bien montré, tout l'avantage du flux numérique, en fait, c'est surtout d'arriver à superposer toutes ces couches, toutes ces données au même endroit. On peut avoir dans un même lieu, dans un même endroit, qui est souvent au final le logiciel de conception assistée par ordinateur du prothésiste, toutes les données du patient. Ça peut aller de l'os, ça peut aller de la gencive, ça peut aller de la prothèse, et on peut sur cet endroit-là créer complètement une nouvelle prothèse, un nouveau concept qui va être amené à guider tout notre plan de traitement. Et c'est le fait qu'on puisse superposer autant de couches, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire en flux analogique et qui débloque des possibilités thérapeutiques et diagnostiques qui sont totalement nouvelles. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, comme je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, quand j'ai commencé, moi, j'étais implanto exclusif, en fait, je faisais que de la chirurgie pendant quelques années. Et le flux numérique, c'est là où je l'ai découvert. J'ai découvert qu'on pouvait superposer un projet prothétique en trois dimensions sur l'os du patient. Alors qu'avant, on avait tendance à prendre les radios du patient, les coupes en fait, CBCT du patient, mettre un calque par-dessus, choisir où allait être l'implant. On faisait un guide, ce qu'on appelle un guide radiologique qu'on n'utilise plus maintenant ou quasiment plus. Là, on pouvait vraiment voir où était la prothèse par rapport à l'os et choisir où était son implant. Et ça, pour moi, c'était une révélation. C'était vraiment, je me suis dit, mais c'est génial, je vais pouvoir choisir où sont mes implants. Et en plus de ça, j'ai aussi découvert qu'on pouvait faire ce qu'on appelle la chirurgie guidée,
pour placer les implants exactement comme on a prévu. Ce qui était pour moi complètement révolutionnaire, c'est qu'on rentrait dans un degré de contrôle en termes de planification qui était déjà impressionnant, mais si en plus on a des outils qui nous permettent d'obtenir de réaliser cette planification, alors on est vraiment dans un contrôle absolu et on se doit même de faire ça pour nos patients aujourd'hui et d'apporter cette précision et ce contrôle. Et en fait, j'ai fait beaucoup d'implantologie, je faisais tous mes implants et ce qui s'est passé, c'est que je faisais absolument toutes mes chirurgies en chirurgie guidée, du coup, parce que j'étais vraiment convaincu par ça. J'ai investi dans une forme 2 comme Sébastien qui maintenant est NextDent, mais voilà, j'avais mon imprimante 3D, j'imprimais tous mes guides et c'est comme ça que petit à petit j'ai développé le flux numérique. Et ce qui a été une de mes envies assez rapidement, c'est d'arriver à obtenir ce même degré de précision et de prédictibilité sur la prothèse provisoire, la prothèse d'usage, et c'est ce qui m'a amené à développer ces fameux guides à étage. Ces fameux guides à étage, en fait, là, ce que vous voyez, c'est ce que je vous présentais aujourd'hui, c'est vraiment l'aboutissement de plusieurs, entre guillemets, bêta-tests, alpha-tests, qui ont plus ou moins marché. Mais en fait, ce que je voulais, et l'essence même du guide à étage, c'est d'obtenir cette précision de la chirurgie guidée, tout en ayant une précision également et une fidélité quant à la réalisation de la prothèse par rapport au projet thérapeutique. Alors, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est le guide à étage? Pour ceux qui ne connaissent pas, on a publié pas mal d'articles dessus. Ça, c'est le premier article qui a parlé des guides à étage qu'on a publié dans Titan, avec mon associé Frédéric Chamier et mon prothésiste Adrien Valadares. Bon, en fait, les guides à étage, comme son nom l'indique, il y a plusieurs étages. Le premier étage, ça va être en fait le guide d'appui. C'est la base qui va se mettre. Il y a différents appuis. Ça peut être un appui osseux, un appui muqueux, un appui dentaire. Mais en tout cas, cette base-là va être là et elle va être fixée pendant toute la chirurgie. C'est quelque chose qu'on ira claveter et qu'on ne bougera pas. Il n'y aura pas de changement de clavette, il n'y aura rien du tout. C'est la première base qu'on met et on n'y touche plus. Une fois qu'on a mis ça, on peut absolument mettre ce qu'on veut. On va mettre d'abord un guide de forage, évidemment, pour poser les implants, pour faire les forages et pour poser les implants. Donc, pour obtenir la fameuse précision de la chirurgie guidée et la fidélité entre la planification et la réalité que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, on va pouvoir indexer une prothèse provisoire. Cette prothèse provisoire, son positionnement tridimensionnel a été déjà prédéterminé dans la planification. Et il va falloir le solidariser à des tubes provisoires, comme l'a dit Sébastien, pour que cette prothèse provisoire soit dans les bonnes coordonnées de l'espace et en trois dimensions par rapport à l'os, par rapport au sourire du patient, par rapport à son visage, qu'elle soit déjà au bon endroit et par rapport à l'occlusion également. Et en fait, dans ces étages-là, il y a plusieurs utilités. C'est que déjà, on peut utiliser, nous, ce qu'on utilise beaucoup, c'est la base. La base, on l'utilise par exemple pour faire une résection osseuse. Mais vous allez le voir, mais son intérêt principal, c'est vraiment d'avoir une sécurité, un contrôle du positionnement de tous les étages suivants. Cette base d'appui, elle a plusieurs fonctions. C'est d'abord et avant tout un guide d'appui. Généralement, nous, on utilise des aimants pour faciliter le travail du chirurgien. Vous voyez que ça se place très facilement. Ça peut être aussi quelque chose qui va guider la résection, qui est souvent relativement modérée, mais qui en fait permet malgré tout de régulariser ce niveau osseux et de s'assurer qu'il y a assez d'espace pour le passage des brossettes, pour les étages. On sait que sur les prothèses implanto-portées sur pilotis, il va y avoir des piliers coniques qu'il va falloir entretenir, etc. Donc il faut s'assurer qu'il y ait quand même assez d'espace pour passer les brossettes et pour assurer une hygiène convenable. Et c'est également une base qui va servir à indexer la prothèse, à discriminer la position de la prothèse pour être sûr que quand on ait fini cette prothèse, on n'ait pas des retouches occlusales à n'en plus finir et qu'on soit absolument sûr que tout ce qu'on a fait, tout ce travail en fait de planification prothétique, il se retrouve bien dans la bonne position à la fin de la chirurgie. Cette résection, elle peut être parfois très importante, hein. La résection osseuse dont je vous ai parlé, dans les cas où il y a eu des égressions compensatrices, des choses comme ça. Ça, c'est des cas un peu extrêmes pour illustrer le propos. Mais quand on a une résection osseuse, cette base, on va très souvent la faire à appui osseux. Je n'ai pas le temps de détailler ici les appuis, les différences entre les appuis osseux, les appuis muqueux, la précision, l'imprécision qui peut en être, etc. Mais sachez qu'en tout cas, souvent, on va préférer un appui osseux en quelques mots pour, pas forcément uniquement pour la résection, mais pour des questions de stabilité. C'est vrai que souvent, c'est des patients où les dents sont. Si on extrait toutes ces dents-là, c'est que souvent elles sont relativement mobiles, donc on a du mal à s'appuyer dessus. La muqueuse, c'est toujours des choses qui peuvent être un peu piégeurs. La muqueuse a une dépressibilité qu'il faut parfois savoir gérer aussi. Donc,
Assez souvent, on a recours à des appuis osseux. On peut malgré tout faire appel à des appuis muqueux. Et nous, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une base qui est appui muqueuse, mais on va indexer tout ça grâce aux dents, un peu comme le star concept de David Noré ou comme les cas que Sébastien a montré. Si vous avez des dents, il faut vraiment s'en servir. L'appui dentaire, il n'y a rien de mieux. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à être créatif, en fait. Il ne faut pas hésiter à, comme l'a montré dans son cas Sébastien, il ne faut pas hésiter à réfléchir quels appuis vont être les meilleurs, dans quelle situation, qu'est-ce que je vais utiliser comme dent avant d'extraire, qu'est-ce que je vais extraire dans un premier temps, qu'est-ce que je vais pas extraire dans un autre temps. En fait, cette base-là, nous, ça nous arrive, comme Sébastien, de faire plusieurs étages de forage où, en fait, on va mettre un premier étage, puis un autre, puis on va décider après d'extraire les dents. Mais en tout cas, la base restera toujours au même endroit, là, et on va choisir de concevoir la base de façon extrêmement personnalisée. Et de façon à ce qu'on ait le maximum de stabilité. C'est-à-dire, s'il y a des dents, on va les utiliser. S'il y a des implants, on va les utiliser. S'il y a l'os, on va les utiliser. Et parfois, cette base, en fait, elle a des appuis qui sont mixtes. Mais en utilisant ce genre de concept, le gros avantage, et c'est finalement ce qu'on a réussi à atteindre avec mon associé Frédéric et mon prothésiste Adrien, c'est qu'on arrive à avoir cette prédictibilité entre ce qui est planifié et ce qui est réalisé. Et c'est absolument ça ce que je voulais. C'est que je passe, moi c'est moi le prosto au final du cabinet maintenant, j'ai arrêté l'implantologie, c'est mon associé Frédéric Chamier qui fait ça, qui a des mains en or, et je passe un temps infini à être sûr que le projet prothétique qui va guider tout le plan de traitement, que ce soit en implantologie d'ailleurs ou que ce soit en dentoportée, soit le plus abouti possible, d'un point de vue occlusion, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue nettoyabilité, tout ça pour moi c'est hyper important. Et donc, c'est ce qui va guider le positionnement des implants. Donc, vous imaginez bien que si on se trompe sur ce projet prothétique, on va avoir des problèmes. Et donc, ce que je voulais absolument, c'est d'avoir ce concept qui me permette d'être sûr que cette prothèse soit au bon endroit. Et souvent, on a des patients qui viennent relativement loin. Donc, je voulais aussi être capable de gérer ça dans la journée, parce qu'on est dans une région quand même. Moi, je travaille à Chartres, qui est un peu le. C'est une grande ville, mais qui est très proche de Paris. Donc, au final, on draine d'assez loin, les gens ils viennent nous voir de 2-3 heures à chaque fois, donc il faut que ce soit géré dans la séance, et donc on a mis au point ce concept de guide à étage. Donc comme l'a dit Sébastien, il y a une des choses qui est importante dans ces guides à étage, c'est qu'il va falloir indexer cette prothèse sur des piliers provisoires, donc c'est fait avec de la résine, et en effet ensuite il va falloir affiner les profils d'émergence. C'est quelque chose qui prend un temps, certains, c'est-à-dire que moi, pour faire un bon profil d'émergence, comme il l'a dit Sébastien, ça me prend une heure. On a l'avantage d'être deux au cabinet, c'est moi qui gère les profils d'émergence pendant qu'en fait Frédéric finit de suturer ses lambeaux et de faire ses apports osseux et ses apports muqueux, etc., etc. Et après, on pose ça et j'ai aucune retouche derrière. Alors, on réduit de plus en plus ces trous-là pour que j'ai le moins d'additions à faire, mais il n'empêche que c'est un travail et c'est un travail qui est important. Parce que rajouter de la résine, si elle n'est pas parfaitement polie, si elle n'est pas parfaitement ajustée, c'est des choses qui peuvent poser problème également. Et il faut aussi s'assurer que ce soit nettoyable. Mais il n'empêche que le fait que cette prothèse soit au final indexée va permettre de gérer ça, comme je vous l'ai dit, dans la séance, ça sans qu'on ait besoin d'imprimante 3D ou d'usineuse. Mais surtout, elle va aussi me faciliter le travail pour la suite du plan de traitement, qui est au final la finalité du plan de traitement, qui est au final la réalisation de la prothèse d'usage. Comment on fait? C'est une des problématiques que je me suis posée. Au final, on a commencé à faire des cas sur un plan avec ce flux-là en numérique. Et puis, on s'est posé les questions avec mon prothésiste Adrien. J'ai dit, mais OK, on va devoir faire la prothèse d'usage. Quelles sont les étapes? Comment on va faire? Et comment on va faire pour exploiter le flux numérique? Comment on fait? Moi, comme d'habitude, quand je parle de flux numérique, je reviens au conventionnel. Qu'est-ce que c'est les étapes en flux conventionnel et comment je vais pouvoir faire aussi bien, si ce n'est mieux, en flux numérique? C'est la base de ma réflexion dans tous les flux numériques qu'on met en place au cabinet. Bah, la première chose, c'est déjà de faire des radios. Et puis, on a appris plein de méthodes en fait, pour faire les empreintes conventionnelles. On a appris qu'il y a une certaine époque, on solidarisait les transferts entre eux. Et puis, cette solidarisation, on l'a coupée. Puis, on resolidarisait pour éviter la contraction de la résine. Suite à quoi, généralement, une fois que ces transferts étaient solidarisés, on allait faire une empreinte qui est en polyéther, mais qui peut être facilement, et le gold standard qui est fait en plâtre également. Et ces transferts, une fois qu'ils sont pris dans le porte-empreinte, ils vont nous servir pour créer un modèle. Ça, c'est la base de la restauration implanto-portée complète. Et pour s'assurer que cette empreinte et ce modèle
soit satisfaisant pour réaliser une armature qui soit passive, on réalisait également une empreinte au plâtre. Pardon, excusez-moi, une clé en plâtre. Cette clé en plâtre était à visser par le praticien ou est à visser par le praticien pour s'assurer que le modèle est bien fidèle à la réalité et qu'il n'y a pas une divergence entre la réalité et la situation intrabucale. Si cette clé en plâtre casse, ça veut dire que l'empreinte est fausse ou la coulée du modèle est fausse. Et donc à ce moment-là, il y a différentes techniques qui existent qui vont de reprendre l'empreinte jusqu'à resolidariser les transferts entre eux pour s'assurer que la conception prothétique soit faite sur un modèle passif. Deuxième chose qu'il faut, c'est capturer où est l'antagoniste. C'est bien beau d'avoir un modèle, mais il faut qu'on sache à quelle distance est l'antagoniste. Donc il faut reprendre un rapport intermaxillaire, ou en tout cas, il faut renvoyer au prothésiste un rapport intermaxillaire dans lequel il va pouvoir faire sa prothèse d'usage. L'armature est réalisée dans ces conditions, on peut reprendre l'occlusion sur cette armature, et puis la prothèse d'usage est réalisée. Bon, ça c'est le flux conventionnel, classique, qu'on apprend quand on fait un début d'implantologie ou quand on fait de l'implantologie complète sur un plan. Maintenant, questionnement en numérique, comment on fait ? J'ai une empreinte optique, Sébastien en a parlé un petit peu. L'empreinte optique, en fait, sur un plan, donc pour les complets sur un plan, eh ben, en fait, on ne peut pas réfléchir, et vous l'avez vu, c'était toute la problématique de Sébastien, on ne peut pas réfléchir de la même façon qu'on réfléchit en flux conventionnel. Si on s'apparente au flux conventionnel, on va vouloir mettre 4 scan body, et sur ces scan body, qui sont en fait les transferts numériques, on va vouloir faire une empreinte optique. Sauf que l'empreinte optique, et en particulier à la mandibule, elle va poser problème. Pourquoi elle va poser problème ? Parce qu'une empreinte optique, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme un scanner. Les scanners, il y en a différents. Il y a un scanner, typiquement le scanner que vous avez sur votre imprimante. Vous mettez la feuille, ça prend une photo, et paf, on a l'image, on a le fichier numérique qui correspond à la feuille qui a été scannée. Et puis, il y a des scanners qui vont en fait être des fusions de plein d'images qui vont être prises l'une après l'autre. Et c'est tout le problème de l'empreinte optique, c'est que malheureusement, ce n'est pas un scanner d'imprimante, c'est ces fameux scanners portables. Une empreinte optique, ça fusionne plusieurs images l'une après l'autre pour vous donner le fichier 3D, le fichier STL. Et le problème, c'est que sur une empreinte optique, sur un arcade mandibulaire, on a déjà très peu de points communs. C'est ce qu'il disait Sébastien, c'est qu'en fait, au maxillaire, on arrive à s'en sortir parce qu'on a différentes structures qui vont nous permettre de s'accrocher, des structures discriminantes. Mais à la mandibule, non seulement vous avez très peu de gencives attachées, vous avez très peu de structures discriminantes, mais en plus, si vous rajoutez les scan body, qui sont généralement identiques, vous allez rajouter encore plus de problèmes pour l'empreinte. Comment elle va pouvoir distinguer où elle en est pendant l'acquisition ? Souvent, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de mal à prendre des empreintes à la mandibule, et encore plus si vous mettez des scan body. Et c'est plutôt le genre d'image que vous allez avoir, c'est qu'en fait, l'empreinte, elle va se perdre. La caméra intraorale va se perdre pendant qu'elle effectue l'empreinte intraorale. Tout ça, ça fait qu'en fait, c'est très difficile de prendre une empreinte optique sur un plan à la mandibule, mais même au maxillaire au final, mais surtout à la mandibule. Et pour moi, dans mes mains en tout cas, c'est quelque chose qui est très peu reproductible en l'état. C'est-à-dire que même en s'aidant avec de la digue liquide comme j'avais essayé ici, cette empreinte-là que vous voyez, c'est moi qui l'ai faite, j'ai mis 15 minutes à la faire. Il y a un moment, si je mets 15 minutes à faire une empreinte optique, stop, on prend du plâtre et on revient aux fondamentaux. On a dit que le flux numérique devait faciliter les choses et pas les complexifier. Et une des choses qui est assez prometteuse, hein, qui est une nouvelle technologie, on va dire, dont à mon avis Marc va vous parler, c'est la photogrammétrie, qui est très intéressante et qui est une des solutions à ce problème-là. Supposons qu'on arrive à avoir un modèle parfait, qui soit un modèle issu d'empreintes numériques, mais qui soit bon, on a la bonne position des implants. Je veux faire une clé en plâtre, je veux faire quelque chose sur ce modèle. Une clé en plâtre, on sait que par exemple, ça va nécessiter un modèle. Il va falloir que je sorte un modèle qui soit un modèle imprimé, puisque c'est issu d'un flux numérique, et puis que j'ai mes analogues dedans pour pouvoir réaliser ma clé en plâtre. Le souci, c'est qu'il faut bien comprendre qu'un modèle imprimé, c'est quelque chose qui est bien différent d'un modèle conventionnel. Un modèle conventionnel, c'est issu d'une empreinte. Je vais couler mon plâtre dedans autour des transferts qui sont vissés, autour des analogues, excusez-moi, qui sont vissés sur les transferts. Sauf qu'un modèle imprimé, j'imprime le modèle et je clipse mes analogues dedans. Il faut savoir que selon les marques, ces analogues clipsés sont plus ou moins bons et sont d'une anatomie qui est plus ou moins réfléchie. Non seulement le design de l'analogue imprimé va jouer, mais en plus, vous allez rajouter à ça l'impotentielle imprécision de l'impression 3D qui va faire qu'en fait, cette clé en plâtre qui est réalisée sur un modèle imprimé, elle a que très peu de sens et elle va
même si elle se casse ou elle ne se casse pas, elle ne va pas vous donner une information qui est fiable. Et la dernière chose que j'ai trouvé compliquée aussi en flux numérique, c'est comment on fait pour le rapport arcade. Comment je fais? Oui, j'ai cette empreinte-là, super, j'ai réussi à prendre cette empreinte-là, j'ai mis 10 minutes, on estime qu'elle est fiable, on estime que la clé en plâtre a bien marché, très bien, mais comment je fais pour la mettre en rapport avec l'arcade antagoniste? Comment je fais pour savoir mes implants ou mes connexions implantaires, à quelle distance elles sont de l'arcade antagoniste? Il va falloir que j'arrive à rematcher les fichiers entre eux, comme a dit Sébastien, on travaille beaucoup en matching sur le flux numérique, il va falloir que j'arrive à matcher la position des implants avec la prothèse qui est actuellement en bouche. Mais comme je n'ai aucun point commun entre ces deux fichiers, mon matching risque d'être peu fiable. Et donc souvent, même si j'arrive au final à faire cette empreinte optique, je vais devoir de toute façon repasser par un RIM et reprendre le rapport intermaxillaire. Donc j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait, pour un flux reproductible en numérique, il me faut une solution pour à la fois capturer une relation intermaxillaire qui soit reproductible et confortable, et à la fois avoir un enregistrement de la position des implants qui est fiable. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Comment on peut faire pour avoir ça? Parce que moi, je n'avais pas envie de retourner au plâtre, retourner à ces choses-là. Il faut savoir qu'en flux numérique, je n'ai aucun problème à faire une empreinte au plâtre, mais pour re-rentrer dans un flux numérique alors qu'on en est sorti et qu'on a fait une empreinte physique, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué et qui demande une réflexion en termes de matching, de points communs, etc., etc. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais toutes les informations, elles sont là. Sur la prothèse provisoire, qu'on a indexée en bouche, j'ai absolument toutes les informations. Je peux visser mes analogues dessus et je vais avoir la prothèse et la position des implants. Mais qu'est-ce qu'on fixe comme analogue? Au début, on fixait des analogues classiques, des analogues de plâtre par modèle coulé. C'était les débuts et au final, bon, je vous épargne les détails parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, mais ce n'était pas forcément hyper fiable et c'était un peu compliqué. Il y a également des analogues clipsés, comme je vous ai parlé, qui vont dans les modèles imprimés, qu'on peut visser dessus, mais il y a un troisième type d'analogue qu'on appelle les scanalogues. C'est des analogues que j'ai trouvés en allant traîner dans mon laboratoire chez Adrien. C'est des analogues, en fait, qui sont, comme leur nom l'indique, des analogues qui sont scannables. J'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit à Adrien, mais qu'est-ce que ces analogues et pourquoi on peut les scanner? Et en fait, ça a débloqué toute la situation pour pouvoir réaliser les prothèses définitives. C'est comme ça qu'on est arrivé au concept d'empreinte optique inversée. Donc en fait, ce qu'on vient faire, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est qu'on prend cette prothèse provisoire qui a maturé en bouche pendant plusieurs mois, on se visse ces scanalogues dessus et on vient scanner cet objet-là. En scannant cet objet-là, c'est un papier aussi qu'on a publié dans Titan, en scannant cet objet-là, on arrive à avoir ce genre de fichier. À quoi ça va servir ce genre de fichier? Il faut réfléchir que ces scanalogues sont comme des scan body, des choses qui vont correspondre à une bibliothèque dans le logiciel du prothésiste. Donc on va pouvoir ainsi, grâce à la position de ces scanalogues, savoir exactement la position tridimensionnelle de mes connectiques implantaires ou de mes implants. Et donc, on va pouvoir utiliser ce fichier dans différentes configurations. On va pouvoir utiliser un face scan, par exemple, que j'utilise aussi de moins en moins comme Sébastien, mais qui va nous permettre de savoir, en tout cas par rapport à l'arcade antagoniste, par rapport au visage, où est cette empreinte. Et si on sait où est cette empreinte par rapport à tout ça, on va pouvoir savoir la distance entre mes connectiques implantaires et mon arcade antagoniste et où est située cette connectique implantaire par rapport au sourire du patient. Le fait qu'on garde ces coordonnées 3D en matchant les fichiers, en obtenant cette connectique implantaire, on va pouvoir avoir un flux qui est un flux complet sur un plan entièrement numérique. C'est malgré tout quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qu'on a mis au point avec mon prothésiste et Frédéric. Mais je voulais malgré tout qu'on puisse valider ça. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on lance la production d'une prothèse complète sur un plan, et là c'est le prosto qui vous parle, on lance quand même une armature, ça engendre des coûts. On veut s'assurer que toutes ces choses-là soient passibles. C'est pour ça que j'ai dit à mon prothésiste, il faut qu'on arrive à faire une clé en plâtre. Il faut qu'on arrive à faire une clé en plâtre, mais on ne peut pas sortir un modèle imprimé pour les raisons que je vous ai évoquées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer cette clé en plâtre qui est entièrement en plâtre, qui est une clé usinée, qu'on va venir visser sur les connectiques implantaires pour s'assurer que cette prothèse, c'est l'empreinte et en fait le fichier sur lequel on va concevoir la prothèse, soit quelque chose qui soit passif. On le faisait en plâtre, on le fait de moins en moins en plâtre parce que c'est quelque chose qui est relativement fragile, en particulier au niveau des connectiques, ce qui empêchait vraiment de visser à 15 newtons. On le fait maintenant en zircone pré-frité, donc ça reste quelque chose qui est très fragile et qui valide malgré tout la passivité, mais qui est un tout petit peu plus solide et qui nous permet de visser à 15 newtons
comme on visserait une prothèse implantaire, et on prend toujours évidemment des radios rétroalvéolaires pour s'assurer de l'assise des connectiques. Dernière information qui nous manquait pour réaliser la prothèse d'usage, c'est bien l'enregistrement de la muqueuse. Sébastien aussi, c'est marrant parce qu'en fait, Sébastien et moi, on est arrivés aux mêmes conclusions. C'est que malgré tout, il fait son empreinte de PEA, je ne sais plus. J'ébrèche peut-être le nom, Sébastien, tu me rediras. Mais en tout cas, il prend aussi une empreinte de la muqueuse parce qu'il veut transmettre ces informations-là au prothésiste. À l'origine, ce que je faisais, c'était ça. C'est que je prenais la clé en plâtre, je la rebasais avec du Luxabite et j'envoyais ça au prothésiste. Le fait que cette clé en plâtre, elle soit conçue dans un repère tridimensionnel qui soit en rapport avec le modèle où il y a les implants, on peut le rematcher. Alors, ça a des points communs, puisqu'au final, la clé en plâtre, on sait où est-ce qu'elle est dans l'espace par rapport à ce modèle-là. On remet tout ça sur le modèle et on peut en déduire la forme de la muqueuse et faire en faisant une soustraction, en fait, on peut savoir comment est la muqueuse. Bon, c'était une opération qu'on faisait avant, maintenant on ne la fait plus, parce que ça demande une étape supplémentaire, c'est un peu plus compliqué. Tout ce qu'on fait en fait, c'est qu'avant de faire mon empreinte optique inversée, je rebase la prothèse avec du silicone, hein, je mets un adhésif pour silicone et je mets du silicone. Ensuite, je visse mes scans analogues et je scanne tout ça. Et quand le prothésiste va sortir un modèle, il va avoir un modèle qui contient non seulement la position des implants, non seulement la prothèse sur laquelle le patient a mastiqué pendant 3 mois et a cicatrisé, mais également la forme de la muqueuse. Ce qui va me permettre d'avoir mon avatar virtuel avec absolument toutes les informations nécessaires pour le prothésiste. Et là, le prothésiste, c'est du pain béni pour lui. Il a la position des implants, il a le visage du patient, il a la muqueuse, il a la ligne de sourire, il peut tourner le visage du patient, il a la mastication du patient, parce qu'on est aussi équipé du Mojo. Tous les projets prothétiques sont faits dans une occlusion qui est hyper étudié aussi, et donc on reprend l'occlusion à la fin sur le provisoire parce que le patient s'est adapté à sa nouvelle occlusion. On transmet tout ça au prothésiste et il va pouvoir concevoir la prothèse d'usage qui soit la plus adaptée possible pour le patient. Et c'est comme ça qu'on peut traiter des cas extrêmement complexes en étudiant bien et en planifiant bien et en ayant tous ces outils qui nous permettent de mettre dans la réalité cette planification, de vraiment réaliser toutes ces études qu'on fait. C'est quand même dommage, parce qu'en numérique, on passe énormément de temps à étudier, à réfléchir, et ce serait dommage de ne pas avoir tous ces outils-là qui nous permettent de traiter nos patients. Je vous remercie pour votre attention. On va prendre maintenant les questions, s'il y a des questions. Et j'ai essayé de faire le plus vite possible, mais j'ai dépassé un petit peu. Ça va? Bah ouais, ça va super bien. Alors, pour les questions, est-ce qu'on a qui sont arrivés? T'as vu, Sébastien, on a pas mal de points communs au final. Hein. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, on arrive tous aux mêmes conclusions en numérique au final. J'ai une prothésiste qui pose une question. Oui. Clé en plâtre ou zircone préfrité, que conseilles-tu pour une sûreté et un résultat optimum? Alors, nous, maintenant, on fait zircone préfrité. On ne fait plus clé en plâtre. Alors, honnêtement, le truc, c'est que, je ne vais pas te mentir, la clé en plâtre, il fallait visser à 10 newtons. Au-delà de 10 newtons, ça casse. Ça, c'est vrai. On a essayé de trouver des solutions où on allait épaissir un peu l'assise de la vis pour éviter que ça casse. Mais on n'a pas réussi à trouver la solution parce que, du coup, il faut des vis personnalisées qui soient plus longues. Enfin bon, c'était compliqué. Donc, on a fait zircone préfrité. Après, j'étais pas insatisfait avec la clé en plâtre. C'est juste que intellectuellement, je voulais pouvoir visser à 15 newtons. Avec ma clé en plâtre, je faisais toutes mes radios rétroalvéolaires. Quand je vissais ma prothèse, je sentais que c'était extrêmement passif. J'avais pas un truc où je forçais à droite. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait de la prothèse implantée, quand vous vissez quelque chose qui est pas passif, vous le savez, hein. Vous vissez à droite, puis vous vissez à gauche, puis vous vissez au milieu, puis vous sentez que vous forcez. Ça se sent tout de suite, hein, quand on force. Je sentais très bien, par expérience en tout cas, que ça marchait, mais intellectuellement, ça suffit pas de dire. Alors, par exemple. C'est quoi l'intérêt de visser à 15 newtons si tu sais tout de suite, de toute façon que tu. Bah, c'est juste parce qu'en fait, bon, eux, c'est une nouvelle technique et je voulais avoir un test qui soit entre guillemets irréprochable. Je voulais pouvoir visser ma clé à 15 newtons comme j'allais visser ma prothèse pour voir qu'à 15 newtons, je casse rien, tu vois.
Ok. Intellectuellement, c'était ça. Parce que la question qu'on se posait juste avant avec Marc, c'est comment on fait pour choisir finalement une clé en plâtre idéale? Marc avait cherché, il n'avait pas trouvé non plus. Ah non, mais il n'y a pas. Bon, Quelles sont les j'ai dimensions idéales cherché. d'une clé en plâtre? Et le problème, c'est que j'ai cherché l'article de base qui parle de la clé en plâtre et je ne l'ai pas trouvé non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un test qui est. J'ai pas trouvé l'article qui explique la définition d'une clé en On plâtre. sait que c'est le gold standard et pourtant. Ouais, Comment on décode? il n'y a aucune Il n'y a notion aucun sur les consensus. caractéristiques, sur le type de plâtre, Il n'y a sur rien du la tout. dimension de la clé en plâtre, parce qu'on le sait Et... très bien. C'est-à-dire que parfois, on a des clés en plâtre qui sont très épaisses, on a une empreinte qui n'est pas du tout passive, quoi, une armature qui ne va pas être passive et la clé en plâtre ne va pas casser, mais on sait que ce n'est pas passif. Et puis au contraire, parfois, on a des clés en plâtre, on la dévisse du modèle, elle se Elle casse se déjà. casse. Ouais, non, mais Donc, c'est un gold standard c'est one dont je shot, ne sais hein. pas d'où il sort, en fait. On est totalement d'accord. C'est compliqué. Du coup, c'est compliqué de faire un test qui soit similaire. Parce que, comme je t'ai dit, moi, toutes mes méthodologies, c'est quoi la référence? Comment on fait en numérique, du coup, pour avoir aussi bien, si ce n'est mieux? Mais comme quand il n'y a pas de référence, tu fais selon l'expérience et selon ce que tu penses être le plus logique. Moi, j'ai une petite question. Tu réalises l'empreinte optique des scans analogues dans un scan de laboratoire ou avec ton scanner intraoral? Scanner intraoral. Après, ça Et peut être comment tu très. fais pour éviter la déformation que tu peux avoir sur une empreinte optique d'une arcade complète? Alors, le fait qu'en fait, sur une empreinte complète, Alors, quand tu prends une empreinte complète sur un plan en bouche, les règles de stitching de la caméra font que ça va être très souvent déformé, ou en tout cas, l'algorithme va avoir besoin de corriger énormément de choses. Pourquoi? Parce que tous les mouvements, et en particulier les muqueuses, vont. Aller contre le principe de stitching des caméras intraorales. Et donc à la mandibule, tu t'en sors parce qu'au final, tu écartes les joues et tu as une gencive attachée qui est large et tu as le palais qui est stable. Mais à la mandibule, tout est contre l'empreinte optique en fait, à la mandibule, parce que tu as la langue, tu as la joue, tu as souvent très peu de gencives attachées, donc tu as quelque chose qui est complètement instable. Donc la caméra, elle se perd tout le temps. Et à chaque fois que tu rescannes, ton stitching va être plus ou moins bon. L'algorithme va essayer de corriger ça pour rattraper un peu des petits bouts. Et l'algorithme, quand il intervient, c'est à la fois une bonne chose parce que ça te facilite la vie, mais c'est à la fois une mauvaise chose parce que c'est un calcul mathématique et parfois, en fait, ça c'est faux. Pourquoi c'est différent quand tu le fais sur une prothèse provisoire? Ben, en fait, tu t'affranchis déjà de tous ces défauts-là. Ta prothèse provisoire, il n'y a pas de muqueuse, il n'y a pas de salive, ça ne bouge pas. Et tu as plein de repères discriminants, mine de rien. Parce qu'au final, sur ton intrado, toi, tu crois qu'il est lisse, il est parfait, mais il y a plein de petites bosses, il y a plein de petites vagues, et tu as les dents. Et la façon dont tu vas prendre ton empreinte va influer aussi. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je fais mon empreinte dans la main, mon empreinte optique inversée, ce que j'enseigne dans les formations, c'est qu'il faut toujours donner à la caméra, il faut toujours lui redonner des repères pour savoir où elle en est. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais pas tout l'intrado d'un seul coup. Je vais faire d'abord toutes les dents. Et puis je vais faire la molaire, je vais aller un petit peu sur l'intrado, puis ensuite je vais aller sur la prémolaire, puis je vais aller sur l'intrado, puis aller sur l'incisive, je vais aller sur l'intrado, et après je viens faire tout l'intrado. Je viens jamais faire tout l'intrado d'un seul coup. Au début, je mets des mèmes en mettant de la digue liquide sur l'intrado. C'est quelque chose qui est possible aussi. Mais au final, j'ai trouvé que ça apportait pas grand-chose, et c'est encore plus facile depuis que je fais, tu sais, ce rebasage avec le silicone. Là, pour le coup, tu as quelque Alors chose qui est justement, extrêmement il y a une question discriminant. qui est posée sur le silicone. Oui. Est-ce que le silicone n'est pas trop compressif pour enregistrer la muqueuse sous la provisoire? Alors peut-être, c'est une bonne question. J'ai pris un silicone light, donc le moins compressif possible. Après, tu donnes des informations, même si c'est un tout petit peu compressif, en réalité, tu donnes ces informations-là au prothésiste. Si tu es sur un bridge SP1 type où tu as besoin des papilles, des choses comme ça, je l'ai déjà fait, tu as quelque chose qui est quand même vachement bien au final en termes de prothèse d'usage. Et si tu es sur un bridge qui est avec une fausse gencive, Comment franchement, tu cette sais si fausse t'es gencive... FP1 ou pas Ah finalement, bah si t'es besoin? tu le sais en amont avec ton projet prothétique, ça. Ça, c'est D'accord. ton projet prothétique, il a déterminé que si tu allais être comme ça On ou rappelle pas. un FP1, ça veut dire pas de fausses gencives, on a les dents, les coller vraiment au contact des muqueuses. Ouais, voilà, excusez-moi, oui, tout à fait. Donc ça, tu le sais sur ton projet FP1, prothétique. ouais. Ok. Mais le scanner, juste pour finir pour la réponse de Marc, le scanner de table, honnêtement, c'est quelque chose qui peut être très bien aussi, hein. Je pense que c'est même encore mieux, mais il faut juste l'avoir au cabinet, c'est tout. Non, mais est-ce que tu penses que c'est celle sur un scanner de table? Le souci, c'est que tu n'as pas forcément
l'intégralité du Il faut volume trouver de tes la bonne scaliotibias. position en fait, parce que le scanner de table, le problème c'est de faire tenir la prothèse, parce que le scanner de table, souvent ça bouge dans tous les sens et il faut que ça bouge, il faut que ce soit fixé quelque part. C'est fait pour scanner des modèles qui sont clipsés dans le scanner de table, donc ça bouge pas, même si le modèle se retourne, c'est Non, et stable. même si tu le fixes sur un scanner de table, tu as des zones de contre-dépouille, à mon Oui. avis, qui doivent être difficiles à numériser sur un scan de Oh. table, alors que tu peux le faire avec la caméra. Mais Il je te faut posais essayer. cette question-là, parce que lorsqu'on fait des empreintes extrado-intrado de prothèses amovibles, on peut avoir parfois des soucis lorsqu'on repasse sur l'intrado et d'avoir des petites déformations. Donc je me dis que peut-être que ça J'ai peut. pas. Ouais, il faut faire l'expérience en fait. Après, il y a peut-être différents scanners de table. Je sais pas. Il faut faire l'expérience. Mais ce serait encore. Pourquoi pas, ce serait encore mieux. Ouais, petite question aussi qu'on te pose, quels sont tes échecs finalement avec cette technique? Ou est-ce que tu n'as pas encore d'échecs? Alors, quels sont mes échecs avec cette technique de guide à étage? Enfin, de tout ce que je viens de décrire, Oui, quoi. avec tes techniques. Oui. En fait, bon, alors, qu'est-ce que j'ai eu comme échec? Moi, les échecs que j'ai eus, c'est surtout à l'établissement du projet prothétique plus que dans la chirurgie guidée. C'est-à-dire que faire un projet prothétique en amont comme ça, bon, on a fait maintenant, on fait beaucoup de cas comme ça, on a dû en faire peut-être une, je sais pas, on en a fait beaucoup en tout cas. J'ai un cas qui me vient tout de suite d'échec, tu sais, de projet prothétique, en fait, où tu t'es trompé sur le projet prothétique et là, c'est la cata. Mais bon, on a réussi quand même à s'en sortir. Mais sinon, non, franchement, en termes d'échecs, je réfléchis, Y a mais. pas des décollements de cylindres de variobase ou de cylindres provisoires? T'as pas de décollement? Ah non, jamais. Non. Bah non, parce que c'est des tubes provisoires. Non, non, ça, j'ai jamais eu de. Est-ce que Non, non. tu fais un traitement spécifique sur ces tubes? Oui, on les sable les tubes et on met de l'adhésif dessus. Ça, c'est fait en amont de la chirurgie, en fait, c'est fait avant qu'on commence même. Tout est sablé, il y a de l'adhésif dessus. On a une résine qu'on utilise spécialement pour ça, uniquement pour ça, qui est une. On avait regardé toutes les caractéristiques techniques qui correspondaient pour être sûr que ce soit quelque chose qui se décolle pas. Et je finis mes profils des la résine, c'est la Curésine de je sais plus qui. De Bredan. Et je finis tous mes composites avec du composite fluide injectable, GC injectable, tout simple. Non, Et non, tu n'as j'ai pas eu pas de de casse, problème pas de décollement. de coexistence entre ta PMMA, ton composite, ta colle. Non, franchement, non. Il Non. y a Mais j'ai même pris une Sébastien, là, photo, j'ai pas. Sébastien, il est en PLS, là. Il y a toute cette résine, Non, tout mais ce non, mais composite, non, là, qui se contacte dans la gencive, là. trop de résine, là. Beaucoup trop de résine pour moi. Non, en fait, j'ai même pris une photo de l'intrado d'une patiente qui a un peu qu'on a mis comme ça en provisoire et qui a disparu dans la nature pendant un an et demi. Et au final, elle est revenue. J'ai dit, bah tiens, ça va être la bonne occasion de voir comment ça évolue cette résine, parce que c'est vrai que c'est la question. Mais généralement, on les voit au bout de 4 mois et puis on change. Mais un an, c'est quand même long. Et franchement, moi, j'aurais dû mettre les photos si je savais que ça allait être le sujet. Mais c'était non, non, il n'y a aucun problème. Alors oui, t'as une coloration du joint. Qui est là, mais en termes d'état de surface, je passais ma sonde, c'était bien, il n'y avait pas de tarte. En fait, à partir du moment où tu aménages les espaces pour que ton patient puisse passer les brossettes, et il passe les brossettes, pour quelque chose qui va rester quelques mois en bouche, il n'y a pas de souci, c'est pas la résine qui va causer le problème, c'est le manque d'hygiène, je pense. Ouais, Ok. pas facile quand même de dire ça à des patients justement qu'on vient d'édenter ou qui étaient déjà édentés. De quoi? De pas facile de dire que. De quoi? J'ai pas compris. L'hygiène? L'enseignement à l'hygiène, justement. Ah bah oui, mais c'est pour ça. En fait, l'enseignement à l'hygiène, il doit être fait en. Enfin, nous, dans notre protocole, il est fait en amont. On parle des brossettes, on parle de plein de choses. Et on les revoit dans nos protocoles. Tu vois, ça, c'est un truc. Pour le coup, quand ils sont mis en charge, on les laisse. On les revoit, je crois, 20 jours après. Et en fait, 20 jours, passage, on parle de brossettes. On les revoit un mois, on reparle de brossettes. On les laisse. Ça, c'est un truc. Et puis. Tu sais, moi, je suis avec Docteur Chamier qui est comme Sébastien, qui est paro-implanto. Je veux te dire que la paro, chez nous, ça file droit, quoi, avec lui. Donc non, non, mais c'est important de faire comprendre à ses patients, avant même qu'on les édente, qu'est-ce que ça va impliquer en termes d'hygiène. Parce qu'il ne faut pas vendre du rêve et faire du marketing en disant « je vais vous enlever vos dents, je vais vous mettre des nouvelles dents et il n'y aura pas de problème Magique, ». ouais. Il faut bien expliquer tous ces tenants aboutissants, il faut parler de photos, il faut leur expliquer que c'est une prothèse, c'est pas des nouvelles dents. Sinon, de toute façon, s'il y aura pas de problème sur s'il y a pas de problème sur le proviseur, il y aura des problèmes sur la prothèse d'usage. Tiens, une petite question technique aussi qui a été posée. Est-ce que tu y a pas du matériau qui va fuser dans tes fûts
dans les fûts implantaires, hein, dans tes Non, procédures. parce qu'en fait, il met Frédéric, il a sa technique où en fait, il met de la résine juste en haut, en fait. Il faut pas trop en mettre, au contraire, parce que moi, je vais pouvoir. C'est plus simple pour moi de gérer les profils d'émergence quand il n'y a pas trop de résine. J'ai quelque chose de vide et je peux construire plutôt que quand il en met trop, ça fuse. Et en fait, je ne peux pas ajouter mon composite parce que je n'ai pas accès avec ma petite tige de composite. Donc, non, non. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on va passer maintenant à la présentation de Marc. Est-ce que Marc, tu es prêt? Je suis prêt. T'es prêt, t'es prêt? Alors attendez, on lance ça. Comme d'habitude, je suis l'homme orchestre. Tac. J'espère que je vais réveiller tout le monde. Allez, chef d'orchestre. On a Vas-y, dit Marc. 20 minutes, hein? On est d'accord? 20 minutes. Attends, je mets mon chronomètre. Attends, je lance. Attends, lance pas tout de Attention, suite, à hein. 20 minutes, après 20 minutes, ça coupe, hein. Allez, c'est parti. Donc en fait, moi je vais vous parler, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler d'une problématique qu'on a en prothèse fixe complète sur implant, c'est ce problème de passivité de l'armature. Et c'est vrai que lorsqu'on est dans une situation complète sur implant, l'objectif ça va être de réaliser une prothèse provisoire qui va relier 5, 4, 5, 6, 8 implants, peut-être plus. Et que ces implants n'ont quasiment aucune capacité de mouvement à l'intérieur de l'os. Et donc du coup, lorsqu'on va venir solidariser l'ensemble de ces implants, surtout lorsqu'on vient de les poser, il va falloir avoir une prothèse qui soit passive. Et la notion de passivité, donc, elle a été étudiée. Ce qu'on souhaite en termes de chiffres, c'est d'avoir une déviation minimum en dessous de 150 microns. C'est-à-dire qu'on est à 0,15 mm de tolérance pour ce bridge provisoire ou pour le bridge d'usage. Et après, c'est aussi en fonction des matériaux qu'on va utiliser. Donc notre objectif, c'est de respecter cette précision. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut avoir avec une empreinte optique seule, chez l'édenté complet, cette précision, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, que ce soit au maxillaire ou à la mandibule. Et ce qu'on va définir, ce n'est pas forcément la précision, donc c'est le fameux tableau de l'exactitude. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'être. Donc là, on voit l'exactitude, c'est la fidélité et la justesse. Et je vais vous donner deux exemples qui sont assez parlants. C'est qu'on peut avoir une faible exactitude qui est liée à une mauvaise fidélité, une mauvaise précision. C'est-à-dire qu'on va avoir des valeurs qui vont être un peu trop éparpillées par rapport à la valeur moyenne, où on va avoir une faible exactitude qui est liée à une faible justesse alors que la fidélité est bonne. C'est-à-dire qu'on va réaliser des empreintes optiques, les enchaîner. Ces empreintes optiques vont nous permettre d'avoir des données qui vont être assez proches, mais par contre, ces données vont être éloignées de la moyenne, du centre en fait, de notre objectif. Et donc il y a plusieurs études qui sont sorties. Vraiment, la majeure partie des études sur l'empreinte optique chez l'édenté complet, c'est de l'in vitro. Il y a très peu d'études in vivo. Donc une étude qui fait référence, c'est celle de Mangano qui a été publiée dans BMC et qui montre que finalement, l'empreinte optique, elle va être, comment dire, les facteurs qui vont influer l'exactitude de cette empreinte optique vont être multiples. On va avoir différents facteurs. Ce n'est pas uniquement le scanner intraoral qui va nous permettre d'avoir une empreinte plus précise, plus reproductible. Aujourd'hui, quelle que soit la caméra qui est sur le marché, on est grosso modo au même niveau en termes d'exactitude. L'opérateur, c'est très opérateur dépendant une empreinte optique. Lorsqu'on va réaliser notre empreinte, en fonction du chemin qu'on va réaliser en fonction de la vitesse de scannage, on peut avoir des déviations entre les empreintes. C'est-à-dire qu'on prend un opérateur A qui va réaliser l'empreinte chez le patient, on prend l'opérateur B qui va réaliser sur le même patient, dans les mêmes conditions, une empreinte, et le fait qu'il va avoir moins de dextérité, avec un mouvement peut-être qui va être plus aléatoire, peut engendrer du coup deux empreintes qui vont être totalement différentes. Ensuite, il y a la topographie des implants.
en fonction du positionnement des implants, de la distance entre ces implants, le fait que les implants soient parallèles ou plus ou moins inclinés. Donc, si on a des scan body qui sont un petit peu déviés dans l'espace, on risque d'avoir une imprécision qui va arriver. Ensuite, il y a l'environnement de l'empreinte optique, la température de la pièce et la lumière. Et un objet fondamental qu'on utilise lorsqu'on réalise une empreinte optique, c'est ce fameux scan body. Et c'est vrai que le scan body il peut avoir une grosse influence sur la qualité de notre empreinte. On sait très bien qu'on a différents types de scan body, différents types de matériaux. On a en pic, en titane. On a des scan body qui ont quasiment aucune forme avec uniquement un petit méplat pour pouvoir se repérer. Il y a des scan body au contraire qui ont des formes qui sont plus importantes. On va avoir aussi des scan body qui vont être très courts, des scan body qui vont être un peu plus longs. Et donc du coup, on peut avoir une disparité des mesures lorsqu'on va réaliser l'empreinte optique en fonction du scan body qui va être utilisé. Et une autre notion qu'il faut bien prendre en compte, c'est que on peut avoir un souci d'exactitude lorsqu'on va intégrer cette empreinte optique dans le logiciel de CFAO et que le prothésiste va superposer le fichier mesh donc de ce scan body. Donc on a un fichier mesh qui est l'empreinte optique de notre scan body et on sait que avec notre empreinte optique, il va y avoir une triangulation et donc on va avoir une forme, une surface de ce scan body qui va être plus ou moins approximative. Alors qu'on a un fichier de bibliothèque, de la librairie, qui va ensuite permettre au prothésiste de pouvoir positionner un variobase, de pouvoir positionner un bon analogue d'implant, qui va être parfait en termes de forme. Et lorsqu'il va intégrer l'image, l'empreinte optique de ce scan body, il va superposer la bibliothèque du scan body sur l'empreinte optique. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est ce qu'on a dans les logiciels de CFAO, c'est un alignement, un best fit entre le mesh et entre l'image de la bibliothèque. Lorsqu'il va réaliser ce matching, il va forcément y avoir une moyenne, une approximation sur le positionnement, sur le fait de superposer le fichier de la bibliothèque avec le fichier de l'empreinte optique. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir une petite imprécision. Sur un implant, deux implants, ça pose aucun souci. Mais si on est sur de multiples implants, ça peut commencer à poser de sérieux problèmes en termes de précision. Et donc, du coup, moi, je vais vous parler ce soir de la photogrammétrie. C'est un système qu'on utilise avec Jérôme depuis quasiment 2 ans, qu'on a intégré dans notre pratique de tous les jours. Et la photogrammétrie, en fait, elle va utiliser un autre système de caméra. Donc, c'est une caméra où, en fait, il y a 4 caméras. C'est une petite machine qu'on peut prendre à la main. L'objectif de ce système de photogrammétrie, ça va être de réaliser des photographies d'objets, d'accord, avec des points caractéristiques. Il y a une lumière spécifique. Donc, du coup, on va utiliser des scan body spécifiques qui sont liés à cette technologie-là. Et on va réaliser un ensemble de photographies pour pouvoir situer dans l'espace ces objets de façon extrêmement précise. Alors, ces scan body, donc là, c'est sur le site, on a 2 systèmes de photogrammétrie. On a le système ICAM de Imetric, il y a le système PIC Dental. Donc, nous, on utilise le système ICAM avec Jérôme. Et donc, on a ces ICAM body qui sont apparentés à des scan body qu'on peut utiliser uniquement sur des piliers transmuqueux, type piliers multi-units. Et donc, ils vont venir se visser sur nos piliers multi-units et ils vont avoir donc des points caractéristiques. Et chaque scan body, chaque ICAM body est individualisé. C'est-à-dire qu'on a une bibliothèque d'ICAM body qui est référencée, qui est calibrée et qu'on va pouvoir utiliser chez nos patients. Et donc, lorsqu'on va positionner ces ICAM body, on va pouvoir réaliser notre empreinte de photogrammétrie qui est plutôt agréable à réaliser et en tout cas moins opérateur dépendant qu'une empreinte optique. Donc pour vous montrer un petit peu l'intégration de ce flux en mise en charge immédiate, en sachant que moi, depuis que j'ai l'ICAM, tous mes cas de mise en charge immédiate, que ce soit maxillaire ou mandibulaire, je les fais intégralement, je les fais numériquement en full numérique, en associant l'empreinte optique et la photogrammétrie. Et pour ça, je vais vous parler d'un cas clinique au maxillaire que j'ai traité avec John Cheno, certains d'entre vous doivent le connaître.
Donc, qui m'adresse son patient pour une réhabilitation fixe complète sur un plan maxillaire. On a des dents à extraire, on a un implant au niveau de 22 qu'on va pouvoir conserver, on a programmé la mise en place d'un implant postérieur et la mise en place d'un implant au niveau d'une 12. Alors, qui dit environnement digital, quoi, je suis un peu dans la même mouvance, on va dire, que Sébastien et Ahmed. Et pour moi, dans ces situations-là, la chirurgie guidée est indispensable. Et pour ce cas clinique, je ne vais pas développer sur la chirurgie guidée, mais j'ai associé la chirurgie guidée statique et dynamique. On va utiliser un guide chirurgical conventionnel à appui dentaire pour pouvoir positionner les implants postérieurs. Et pour pouvoir positionner l'implant au niveau de la 12, on a utilisé le système de navigation chirurgicale qui m'a permis du coup d'éviter d'avoir un deuxième guide chirurgical. C'est quand même la navigation chirurgicale, ça apporte des avantages en termes d'encombrement et de temps en fait, parce que c'est quand même assez facile à mettre en place. La courbe d'apprentissage est longue, mais c'est assez facile à mettre en place. Et donc du coup, on a positionné nos implants. On va mettre en place nos plis multi-unis. Donc là, toujours systématiquement sur un complet sur un plan, jamais en direct un plan, je le rappelle. Toujours passer par un étage intermédiaire, par ces fameux piliers multi-unites qui nous permettent aussi donc de décaler la jonction avec entre l'os et l'implant, mais aussi de pouvoir transvisser un bridge provisoire ou un bridge d'usage directement sur ces piliers multi-uniques. Les piliers sont vissés à 35 newtons. On peut éventuellement prendre l'ASQ sur ces piliers multi-uniques. Et donc là, je vais vous montrer en fait ce qu'on réalise tout le temps en mise en charge immédiate. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé l'intervention chirurgicale, on va positionner les scan body, on va réaliser les sutures et ensuite on va faire l'empreinte optique. Donc là, c'est un cas maxillaire, donc c'est un cas favorable, entre guillemets, parce qu'on a la possibilité de réaliser l'empreinte en reprenant l'empreinte du palais. Là aussi, peut-être une petite précision, je réalise systématiquement une nouvelle empreinte. Lorsqu'on part d'une empreinte initiale, même qu'on a réalisée juste avant l'intervention chirurgicale, qu'on supprime l'image des dents qu'on a extraites et qu'on rescanne, il y a beaucoup de déformations. En tout cas, moi, j'ai trouvé plus de déformations lorsque je faisais ça. Donc, je préfère partir sur une empreinte optique originale, post-opératoire. Et ensuite, le prothésiste va venir matcher au maxillaire. Il va pouvoir matcher facilement avec le palais, avec les tubérosités, pour pouvoir retrouver le rapport intermaxillaire. Une fois qu'on a réalisé cette empreinte optique, on va positionner les ICAM body qui se positionnent en bouche, qui se vissent. Ce qui est assez intéressant avec ces ICAM body, c'est qu'il y a un contact métal-métal. C'est-à-dire qu'au niveau du positionnement et du vissage de cet ICAM body, on est parfaitement certain de l'enfouissement vertical et du blocage vertical de cet ICAM body, ce qui est très intéressant. Ensuite, il va falloir présenter deux faces face à la caméra, pour qu'on ait en fait, il y avoir trois faces qui vont être photographiées, deux faces sur le côté, une face sur le dessus, pour pouvoir enregistrer et faire cet enregistrement. Une fois qu'on a positionné nos ICAM body, on va réaliser une calibration. Systématiquement, il y a une calibration de la caméra qui est réalisée avec une plaque spéciale, et ensuite on va venir en bouche faire l'enregistrement de nos ICAM body. Et donc du coup, vous le voyez, on va balader en fait la caméra de droite à gauche. La caméra va prendre un ensemble de photographies et il va falloir en fait qu'il y ait suffisamment de photographies réalisées, que les ICAM body, comme je vous le disais, ils sont individualisés. Chaque ICAM body est différent. Et donc du coup, la caméra et le logiciel va reconnaître chaque ICAM body. Et pour chaque ICAM body, il faut qu'on ait suffisamment de photos. Ce qui est assez intéressant avec cette technique, c'est que ce n'est pas du tout opérateur dépendant. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller ma caméra, que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Il faut juste se mettre à la bonne distance, avoir la cible et on est bon. Une fois qu'on a réalisé cette empreinte avec l'ICAM body, au niveau du logiciel de l'ICAM, on va intégrer le fichier STL de l'empreinte optique qu'on a réalisée en post-opératoire. Et on va venir matcher les scan body qu'on a utilisés avec les données de l'ICAM. Et une fois qu'on a réalisé ce matching, on va récupérer un modèle hybride qui va avoir les caractéristiques de l'empreinte optique, c'est-à-dire le palais, les profils d'émergence, la muqueuse, parce que la photogrammétrie ne prend pas d'empreinte optique, elle va uniquement situer les objets. Donc on va
avoir le positionnement du modèle de cette empreinte en 3D, et on va avoir les objets, donc les scan body, qui vont être positionnés en fonction de l'enregistrement ICAM qui est véritablement précis et reproductible. C'est ça qui est assez intéressant. Une fois qu'on a réalisé on a récupéré cette empreinte hybride, on va pouvoir envoyer ça au prothésiste, là au designer. Donc là, moi, je passe par une plateforme qui est Design4Me et c'est Francesco qui a fait le design. Il va récupérer cette empreinte. Il va du coup, comme l'a montré Sébastien, récupérer l'ensemble des données du projet prothétique initial et il va pouvoir modéliser son bridge provisoire. Et là, dans ce cas-là, on avait des émergences, surtout au niveau de la 22, dans un implant qui était déjà positionné, qui est assez vestibulaire. On va choisir d'utiliser des variobases. Donc moi, j'utilise systématiquement des bases titane lors de mes bridges de mise en charge immédiate, qui va récupérer l'axe pour éviter d'avoir un puits d'accès vestibulaire au niveau des incisives latérales, quoi, principalement au niveau de la 22. Et donc, du coup, cette modélisation va être réalisée avec l'étibase. Et cette modélisation, elle est véritablement réalisée en fonction des données anatomiques qu'on avait au début avec le facecam et avec le wax-up du début. On va pouvoir du coup récupérer ce fichier, le transférer au laboratoire pour qu'il puisse usiner cette prothèse provisoire. Donc là, je travaille avec le laboratoire Barré et Romain qui réalise toutes les mises en charge immédiates avec moi et quasiment tous les complets. Et donc du coup, il va pouvoir usiner son bridge en PMMA, maquiller, coller les bases titane. Donc là, on voit les vues occlusales. Donc on est plutôt content des émergences et la chirurgie guidée, évidemment, y est pour beaucoup. Et ensuite, à 24 heures, mise en place du bridge provisoire qui est vissé sur nos implants. L'avantage d'avoir des bases titane, c'est qu'on est sûr de l'assise de notre bridge provisoire par rapport à nos piliers multi-unites. On va pouvoir réaliser des radiographies. Donc là, bon, là, c'est les photos visage du patient. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant lorsqu'on positionne le bridge provisoire et puis lorsqu'on réalise ces radiographies, de voir la parfaite adaptation de ces bases titane sur les piliers multi-unites. À la mandibule, comme le disait Sébastien, on peut être embêté parce que du coup, on va avoir des difficultés à réaliser une empreinte optique de bonne qualité. Après, de toute manière, moi j'utilise la photogrammétrie, donc on peut éventuellement corriger s'il y a une déformation, mais le souci, c'est qu'on n'a pas le rapport intermaxillaire. Et donc, du coup, ce que j'utilise à la mandibule, c'est à peu près le même principe qu'a montré Sébastien, c'est que on va réaliser en fait un guide à étage. Moi, je préfère réaliser un guide. Donc, en fait, c'est un mix entre Sébastien et Ahmed. C'est un guide qui va venir se visser et ne pas bouger. On va ensuite avoir différents étages. Je vais pas le redire, c'est exactement ce qu'a dit Ahmed, mais le dernier étage qui m'intéresse, c'est cet étage qui est imprimé en résine et qui va permettre de réaliser l'empreinte optique post-opératoire avec les scan body en place. Donc on a fait notre planification implantaire. Là aussi, je pense que par rapport à ceux qui nous regardent, ils peuvent éventuellement avoir excessivement peur de tous ces logiciels, tout ce temps passé où ils doivent nous prendre pour des fous de l'autre côté de leur écran. Ils sont malades, ceux-là, avec les guides à étage, les trucs. Vous pouvez déléguer ces étapes-là, d'accord? Donc, déléguer à des plateformes numériques, déléguer à votre prothésiste toutes ces étapes, parce qu'on dit oui, c'est chronophage, j'ai pas le temps de le faire. Non, il faut savoir déléguer et bien déléguer. Et heureusement, on a aujourd'hui énormément de professionnels qui savent très bien le faire. Ou déléguer à Donc, Ahmed, autant sinon. les déléguer. Donc là, on a notre guide base, on a le guide pour pouvoir positionner nos implants et ensuite, on va avoir le fameux guide pour scanner. Donc là, on a positionné nos implants, on a positionné nos scan buddies, on positionne notre guide qui va nous permettre de réaliser l'empreinte optique. Je réalise l'empreinte optique, d'accord, mais je vais réaliser aussi évidemment l'empreinte par photogrammétrie.
Là aussi, un point très important qu'a souligné Sébastien Hamed, c'est qu'il faut toujours avoir l'empreinte de la muqueuse, parce que moi j'ai eu des déboires certaines fois où en fait le prothésiste ne savait pas exactement où est-ce qu'était située la muqueuse qui était suturée, et du coup on peut avoir des intrados au niveau des intermédiaires qui sont trop compressifs, et du coup lorsqu'on pose le bridge provisoire, en fait on ne peut pas le poser parce que c'est du béton armé, et en fait le prothésiste pensait qu'on était dans une alvéole d'extraction où il avait un petit peu de possibilité de jeu et de rentrer un petit peu dans l'alvéole, alors que finalement c'était de l'os et on ne pouvait pas du tout, quoi, il n'y a aucune compressibilité. Donc là aussi c'est important de faire une empreinte post-op une fois que les sutures sont réalisées, si vous faites des guides à étage. Quoi, oui, si vous faites du. En tout cas, c'est important pour le prothésiste d'avoir cette information-là, mais aussi de lui dire éventuellement des zones d'extraction et des zones où il ne faut surtout pas appuyer. Ça, c'est hyper important. Empreinte par photogrammétrie, comme je vous le disais. Ensuite, donc là, on va récupérer notre fichier d'empreinte. On va, comme je vous l'ai dit, le matcher et aligner les données de la photogrammétrie avec l'empreinte optique. Ça fonctionne aussi avec ce type de guide, qui va nous permettre ensuite, c'est mon alarme qui se met en route, qui va permettre ensuite de modéliser notre bridge provisoire. Le bridge provisoire, de la même manière, il va être usiné, les bases titane vont être collées et ensuite il va être vissé en bouche. Donc pour finir, ce que je voulais, on présente quelques cas cliniques, mais est-ce que c'est reproductible? Est-ce que ce flux est reproductible dans le temps? On en a fait quelques-uns, mais est-ce que c'est reproductible ou pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui la photogrammétrie, je l'utilise dans tous les cas de complet et vraiment dans les cas d'édentement à partir de 2-3 implants, surtout antérieurs, mais aussi postérieurs. J'utilise la photogrammétrie en complément de l'empreinte optique. Et ce qui est un gage de reproductibilité. Parce que même on le voit dans toutes les études, le souci c'est que parfois l'empreinte optique sur 2, 3, 4 implants, ça va être suffisant. Et puis une fois sur 20, ben, on va être dans le mur. Voilà. On ne sait pas forcément pourquoi. Ce qui semblerait, mais il n'y a pas d'études dessus, c'est qu'avec l'association entre l'empreinte optique et la photogrammétrie, ça permet d'avoir une plus grande reproductibilité des mesures. Et donc du coup d'être serein et de savoir que dans tous les cas qu'on va réaliser, on aura une bonne passivité. Les radiographies aussi parlent d'elles-mêmes, j'en ai beaucoup d'autres, de l'adaptation de ces bases titane sur les piliers multi-uniques lorsqu'on fait de la mise en charge immédiate. Et c'est vrai que c'est quand même intéressant avec des rétroalvéolaires en post-opératoire de visualiser le bon vissage. La bonne adaptation de notre bridge provisoire. Et après, bah, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut utiliser la photogrammétrie en prothèse d'usage? Et ça fait depuis voilà, quasiment 1 an et demi qu'on commence à réaliser des prothèses d'usage, que ça soit en zircone, en full zircone. Là, sur le cadre gauche, c'est du full zircone avec rattrapage d'axe Procera, que ça soit du PIC qui a été usiné, tout ça en flux numérique intégral. On a besoin de modèles parce qu'on a besoin de connaître le volume de la gencive pour pouvoir réaliser le composite. Là aussi, merci beaucoup à Romain pour ces belles réalisations. Et voilà, donc là aussi un autre cas avec un mix bridge zircone découpé en haut, donc 3 bridges en haut et à la mandibule une prothèse sur barre titane plus conventionnelle. Avec tous ces cas-là, en fait, on a réussi à rester uniquement dans le digital. Donc voilà, mon temps est passé. Je voulais remercier évidemment toute l'équipe que vous connaissez, je pense que beaucoup connaissent. En plein milieu, il y a Francesco, à sa gauche, Olivier Bougenat, et à l'extrémité gauche, Romain Barré, avec qui je travaille tous les jours. Et je voulais remercier aussi toute l'équipe du cabinet, parce que toute cette prise en charge est. Tous ces protocoles-là, ils sont chez Denté Complet, ils sont quand même complexes à mettre en place. Et on a besoin d'avoir une équipe au top. Et j'ai de la chance de travailler vraiment avec des assistants, des secrétaires, une associée exceptionnelle, des collaborateurs et collaboratrices exceptionnelles pour pouvoir réaliser ce travail. Et donc, je vous remercie pour tout. Et si vous avez des questions, je suis là. Ok, Tu vois, merci. s'il y a encore des gens. Ouais, il y a encore des gens, et puis surtout, Merci.
On a pas mal de petits likes, les gens sont comme des fous devant cette technique. Bon, alors évidemment, je parle pour mon église, hein, parce que je suis à fond avec toi. Alors, c'est sûr, c'est un petit peu biaisé. Mais remarque, moi, j'ai vu Ahmed, hein, qui a dit tout à l'heure, c'est dingue ça, il s'est rapproché de l'écran là, parce qu'il presque il y croyait pas. Non, c'est intéressant, c'est hyper Ça veut intéressant. Non, dire mais en quoi? fait, Tu c'est comme changes je de dis, c'est un technique ce mix soir? entre ce que fait Seb et ce qu'on fait. C'est ce que je pensais, mais je pense que c'est l'avenir. C'est très bien de faire ça en fait, parce que c'est vrai que la réalisation de la prothèse d'usage provisoire, on veut qu'elle soit la plus simple possible, mais en même temps, on veut aussi que ce soit précis. Donc en fait, oui, c'est hyper intéressant d'allier un peu les deux choses. Non, je trouve ça très bien. Bravo, bravo Marc. Et Ouais. Jérôme. Bah écoute, il y a plusieurs questions qui ont été posées et c'est Marc qui va forcément répondre. D'abord, une question pratique parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Avec combien de cas annuels tu penses que l'investissement pour la photogrammétrie se justifie? Je pense qu'il faut faire, si on a une vingtaine de cas complets, une vingtaine d'arcades par an, c'est bien. Après, c'est pas Ça se que pour justifie, mais c'est le. pas C'est rentable. pas pour le compl c'est pas Ouais. que pour le complet. Bah, j'utilise beaucoup pour les bridges antérieurs de canine à canine, de prémolaire à prémolaire. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que finalement, tu fais une empreinte à l'imprégomme et t'es très bien. Oui. Ouais, Hein. non, mais Et ça coûte moins cher. c'est vrai, c'est vrai. Bah après, moi je l'utilise aussi même pour des cas où, là, par exemple, l'empreinte optique commence à être un peu compliquée. Hein. J'ai déjà fait des bridges très postérieurs et puis finalement, choper le dernier scan body, ça commence à être vraiment très difficile. Donc, une bonne empreinte optique au moins pour les 80% de l'arcade. Et puis, c'est la photogrammétrie qui va faire le reste pour s'assurer au Je moins, pense pas que forcément le pour la principal, en précision, tout parce cas que la comme moi, précision, on l'aura avec le, on l'aura pour avec moi en tout l'empreinte cas, optique. l'avantage, quelle que soit la technique qu'on utilise, c'est de plus sortir de matériaux à empreinte à la fin de l'intervention chirurgicale. Ouais. Ça C'est un gain mais dérangeait pas énorme Ahmed, pour les patients. mais Ahmed aussi est quand même bien plus organisé que nous, puisqu'il dit que tout est préparé à l'avance. Tout est préparé à Oui. l'avance. Voilà. Alors que Non, mais après, quand Seb tu tout à l'heure, travailles il disait que avec c'est quand même un Fred à chantier deux, il perd, je à faire pense qu'il ne l'intervention perd pas chez de lui. temps. Donc le temps que les Ça. sutures, le temps qu'il fasse sa greffe de conjonctif, donc c'est une coordination à avoir. Oui. Nous on est deux, donc c'est vrai que notre technique elle est relativement adaptée si on est deux, parce que c'est juste parfait en fait. C'est-à-dire que le temps, faut bien comprendre que le temps que Frédéric, faut mine de rien, vous qui êtes chirurgien, vous êtes d'accord qu'à la fin, quand vous allez finir votre intervention, vous allez poser vos implants, il y a un temps de fermeture et de gestion des tissus qui est quand même relativement long. Et en fait, ce temps-là, c'est un temps que nous, on met à bonne utilisation, puisque quand Frédéric finit avec le patient, ma prothèse est finie, en fait. Donc, on finit le patient, enfin, on a fini en même temps, et donc, je peux visser. On lui laisse quand même un petit temps de repos, parce que mine de rien, le patient vient de sortir de chirurgie, donc je lui saute pas dessus tout de suite, même si je pourrais, mais je le fais pas. Mais nous, notre technique est adaptée pour ça. Mais ce qui est intéressant dans tous les cas, quelle que soit la technique au final, je rebondis juste sur la question qui a été posée vis-à-vis du coût de la photogrammétrie. En fait, tous ces outils du numérique ont, de toute façon, à un moment ou à un autre, si on réfléchit en termes de coût, On le n'y est pas. matériau à empreinte sera toujours plus avantageux, Bien sûr. l'imprégomme ou tout ce que tu veux sera toujours plus avantageux en termes de coût si tu compares le coût d'une caméra optique à l'imprégomme. Mais en fait, l'avantage que tout le flux numérique offre, il n'est pas uniquement sur l'empreinte. C'est pas uniquement sortir pas de matériau d'empreinte, c'est qu'on voit qu'avec cette empreinte, on peut la prendre, on peut la mettre dans un avatar virtuel, on peut superposer les couches et on peut rester dans un flux où en fait on a un contrôle sur notre plan de traitement qu'on n'avait, à mon sens, pas aussi précis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand je fais mon projet prothétique, et c'est en prosto en fait, ça a commencé en chirurgie guidée, et là on est avec des chirurgiens donc ça parle beaucoup de chirurgie guidée évidemment. Mais en prosto, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les outils du numérique, on peut faire des projets prothétiques, des prothèses qui sont extrêmement aboutis, où je vais chipoter, demander à mon prothésiste adhérent, je vais chipoter sur un point de contact, on va avoir une reproductibilité entre le projet qui est fait sur l'ordinateur et la réalité. Et donc, on va avoir une exigence qui est de plus en plus importante, en fait. Ouais, enfin, tu dis Donc, quand même, peu importe la technique, mais pourvu qu'elle soit quand même numérique, hein, de toute façon. j'ai pas entendu? Tu disais peu importe la technique, mais pourvu qu'elle soit numérique, hein. En fait, utiliser un outil numérique, c'est pas pour utiliser l'outil en soi, c'est juste pour rester dans ce flux. Pour moi, c'est ça l'essence même.
Et la finalité de tout ça, c'est d'avoir un flux qui soit complet, où on peut tout régler sur ordinateur et tout gérer en amont et faire des essayages et dire non, ça va pas. Et voilà, et en fait, réduire le temps au fauteuil pour le praticien et surtout pour le patient. Après aussi, moi, je ne me revois plus refaire une empreinte au plâtre ou des empreintes après gomme. Non pas que j'aime pas ces matériaux, mais d'abord, il y a aussi le confort du patient. Et puis, oui. Surtout quand on a fini une chire qui a été déjà bien compliquée, soit pour le praticien, soit pour le patient, soit pour les deux, si en plus on a du matériau qui va venir au contact, soit de la plaie suturée ou pas encore suturée, avec en plus les points de suture qui peuvent s'arracher avec l'imprégomme, etc., etc., ouais, bon, c'est quand même un bonheur d'être en numérique et de plus avoir faire face à ces écueils. Ton empreinte au plâtre, tu la prends, c'est très bien. Comment tu fais ensuite pour être sûr que le projet prothétique que tu as prévu, il soit exactement comme ce que tu as prévu, dans la même position? En fait, il va y avoir un moment ou un autre, il va falloir se poser la question, comment je vais faire pour remettre ça dans mon articulateur, comment je vais être sûr qu'il soit au bon endroit, tu vois. Ah bah, de toute façon, on va renumériser et puis on va essayer de rematcher avec ce qui a été fait en pré-op. Mais c'est vrai que ça commence à être après, compliqué. Je pense qu'au niveau du numérique, on est arrivé à un niveau, à une maturité qui fait que peut-être il y a 5-10 ans, on n'avait pas forcément l'ensemble des outils qui nous permettait d'avoir l'ensemble de cette chaîne numérique. Donc, c'était un petit peu difficile d'avoir les avantages du numérique parce qu'on était un petit peu entre les deux. Ouais. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait véritablement basculer, et je n'ai pas hésité à investir, c'est qu'on va beaucoup plus loin, en fait. On peut faire des choses que moi, je ne pouvais pas faire avant, ou si on le faisait, mais c'était avec 5, 6, 7 fois plus d'étapes. C'est-à-dire… Ouais. Les montages en articulateur, l'arc facial, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a des outils qui sont reproductibles, qui permettent de gagner du temps pour le patient et de gagner du temps aussi pour nous. Après, gagner du temps si éventuellement on délègue certaines étapes, si on fait toutes les étapes, ça peut être un petit peu fastidieux. Mais après, c'est aussi… une façon de changer un petit peu sa pratique, hein, de changer son quotidien. Je suis désolé, mais on n'est pas là, on va bosser pendant des dizaines d'années. C'est quand même triste de se dire toutes les semaines, on fait exactement la même chose et aujourd'hui, je fais exactement la même chose qu'il y a 5 ans. C'est ça qui est génial dans le numérique et je pense que c'est ça qui nous passionne. C'est que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, on essaye d'aller plus loin, de trouver d'autres choses, d'autres protocoles, d'essayer d'intégrer les choses de façon différente. Et les patients que je traite aujourd'hui en mise en charge immédiate, je ne les traitais pas du tout comme ça il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça n'a rien à voir. Comment faire justement quand tu n'es pas du tout dans l'informatique, quand tu as déjà du mal à utiliser un ordinateur, que tu as envie de profiter de tout ça, est-ce que tu peux, jusqu'où tu peux déléguer? Non, je pense qu'il faut véritablement prendre contact avec son prothésiste et en discuter avec lui. Et après… Si le prothésiste, lui, il est suffisamment à l'aise dans le numérique, il va vous apporter un support, que ça soit pour un DSD, de réaliser un DSD, vous réalisez les photographies, c'est pas très difficile à réaliser. On envoie au prothésiste. Si le prothésiste est formé correctement, on peut faire le DSD avec lui. La planification implantaire aussi, le prothésiste peut avoir le logiciel. On peut se déplacer chez le prothésiste. On peut éventuellement prendre à distance l'écran. Choisir avec lui la dimension des implants, l'axe des implants, le niveau d'enfouissement. Donc, il y a un accompagnement. Après, c'est vrai que le souci, c'est qu'il y a 10 ans, moi, en tout cas, je suis rentré dans le numérique il y a 12-13 ans, on avait très peu d'outils. Donc, on utilisait, c'était principalement de la planification implantaire seule, avec des outils qui étaient assez simples à utiliser, entre guillemets. On n'avait pas le FaceScan, d'autres types de fichiers à gérer, on n'avait pas l'empreinte optique, donc c'était assez basique. Et au fur et à mesure des années, on a complémenté avec d'autres choses, avec l'empreinte optique évidemment, avec le Mojo, avec d'autres choses. Oui. Donc du coup, on a pu, au niveau de notre apprentissage, aller étape par étape. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas tout savoir faire en 2 secondes, c'est un apprentissage. Mais on peut déléguer au prothésiste, on peut déléguer à une plateforme numérique qui va nous permettre d'optimiser notre temps et de profiter du savoir de nos prothésistes en termes numériques, parce que les prothésistes, ils sont baignés dans le numérique depuis plus longtemps que nous avec la CFAO.
pour pouvoir réaliser des cas sans non plus être le plus gros geek du monde. Si tu me permets, Marc, vas-y. On a quand même un sacré geek là parce que Sébastien t'a montré sans être péjoratif une méga usine à gaz. Est-ce que toutes ces étapes, tu peux aussi les déléguer au prothésiste ou tu es obligé quand même Ouais. d'intervenir? Personnellement, j'ai un petit souci, c'est que je suis un petit peu obsessionnel. Donc en réalité, à part le wax-up fonctionnel et le design du bridge provisoire, c'est-à-dire qu'en fait, que ce soit la planif, le design des guides, le design des PE, le design de... Enfin, je veux le faire parce qu'en réalité, alors on me reproche souvent en me disant oui, mais tu perds du temps, pendant que tu fais ça, tu pourrais faire autre chose. Certes, mais par contre, quand je suis en chirurgie, je connais le cas tellement par cœur que je n'ai plus aucune... J'ai plus de questions, quoi. Ça roule, ça va tout seul. Donc, passer du temps sur un scanner, ben oui, il faut le faire. Et ben là, je passe du temps aussi sur autre chose. Et c'est vrai que, à partir du moment où je commence à anesthésier jusqu'au moment où je vais refaire mon empreinte, j'ai tellement le cas en tête que ça va tout seul. Enfin, il y a très rarement de problème. Donc, moi, je délègue très peu. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, on peut tout à fait déléguer. Je pense que le plus gros problème, c'est ce qu'a dit Marc, c'est si quelqu'un maintenant n'a pas du tout d'outils numériques au cabinet et que d'un coup, il veut tout prendre. La caméra, le module, la photogrammétrie, le CONBIM. Ouais, là, effectivement, ça peut faire beaucoup et ça peut faire peur. Faut se Mais former, hein. en y Faut quand allant même se par là. former à tout ça. Ouais, il faut, Oui, en en plus, fait, après, il faut se former. et puis c'est l'occasion aussi, c'est-à-dire que, comme disait Marc, il parlait beaucoup de prothésistes. Les prothésistes, ils manipulent les outils numériques depuis plus longtemps que nous. Et c'est l'occasion, tout ce flux numérique, de se rapprocher en fait de son prothésiste et de se mettre à sa place. Parce qu'en fait, vous allez travailler dans les mêmes environnements et que vous déléguiez pas, ça, c'est des choix de carrière, des choix de vie en fait, mais. Ce qu'il faut, c'est se comprendre en fait. Il faut que les deux personnes, les deux acteurs du plan de traitement, que sont le praticien et le prothésiste, soient sur la même longueur d'onde, sur la même page, et en fait que les informations qui soient prises par le praticien soient les bonnes informations qui vont servir au prothésiste. Il faut que le prothésiste ait les compétences ensuite pour les exploiter. Et c'est des choses qu'il faut mettre au clair avec son prothésiste et il faut se former. S'il faut se former, il faut non seulement se former, si on décide qu'il faut se former, mais il faut également former son prothésiste. Ou alors, il faut prendre un prothésiste qui est formé. En tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un dans le duo qui sache ce qu'il faut faire. Parce que si tout le monde tâtonne, c'est là où c'est plus compliqué pour tout le monde, en fait. Mais il faut, c'est vraiment l'occasion aller voir vos prothésistes, parlez-leur, dites-leur, je veux faire ça. Ils vont vous dire, je peux pas, je peux. Ok, comment tu fais? Montre-moi cette fameuse battle que tu as vue sur Eugénol, on regarde. Enfin, il n'y a pas de secret en fait. Il faut discuter, c'est notre bras droit et c'est avec eux qu'il faut voir tout ça. Et parfois, il faut aller se former dans la formation de Marc, dans la formation de Sébastien, dans la mienne, peu importe, Il y mais en a plein, hein. il faut se former. Il y a aussi à Montpellier, là, il y a la formation de Phil. Tout à fait, il y a plein de formations maintenant en Il y a numérique et celle de Thibaut Casas aussi. On a plein. Renaud Noiret. Bon, bref, ça manque pas les formations. Là, c'est vrai que c'est des nouveaux Et les outils qui semaines entières révolutionnent de notre formation. pratique et qui demandent des nouvelles connaissances. Oui. C'est comme une nouvelle voiture. C'est clair. Bon, je regarde si on a de nouvelles questions, mais je crois pas. On a quand même assez fait le tour. Je voudrais vraiment vous remercier encore d'être venu et d'avoir vraiment tout partagé. Alors, est-ce qu'il y a un véritable gagnant ce soir? Moi, je dirais pas parce que finalement, même si le numérique, C'est toi qui as gagné, Jérôme. c'est moi qui ai gagné, le numérique, je dirais, j'ai envie de conclure, ça fait tellement d'années qu'on est dedans, mais en même temps, on en est vraiment qu'au début. Et puis, toutes ces techniques qu'on vient de décrire, en fait, nous-mêmes, d'abord, ce sont encore une fois, le titre le rappelle, c'est une proposition de nouveaux protocoles. Ces protocoles-là, je dirais pas qu'on les expérimente, parce que ça y est, maintenant, c'est quand même ça marche assez bien. Mais c'est des choses que l'on fait que depuis très peu. Sébastien, t'as montré tes premiers cas. Ahmed, ton empreinte optique inversée, ça fait quoi? Ça fait un an que t'es dessus. Ça fait un an, ouais. Ça Non, fait mais ça évolue un an que t'es tellement. dessus. Nous, la photogrammétrie, ça fait un an et demi, même si ça existe depuis bien plus longtemps. Et depuis tu viens bien longtemps, mais c'est seulement maintenant que ça commence à bien émerger. Bref, on n'en est qu'au tout début. Il n'y a pas de consensus. Il faut trouver finalement la voie qui ressemble le plus à son exercice, en fonction de ses moyens, en fonction de ses connaissances. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait conclure d'autre?
Bah merci les gars. Ouais. Allez, portez-vous bien. Là, c'était une super soirée et je vous remercie. Cette soirée, elle restera évidemment en replay. Toutes les formations dont on a parlé, la plupart sont en plus référencées sur Eugénol. Ahmed, je compte sur toi en plus pour d'ailleurs pour inscrire la tienne. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, le mercredi 9, avec Miguel Stanley et puis Cyril Gaillard pour une soirée. On va sortir un petit peu de la clinique, un peu de tout ça. On va rester un petit peu dans le digital malgré tout. Une soirée intitulée Les leçons de la Covid pour une dentisterie qui prend son temps. Voilà, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 20h30 et d'ici là, portez-vous bien. Merci, merci à tous. Salut, merci beaucoup. Bonne soirée.